Batterie chargée à 70%. Et bonsoir les internets, les gens d'internet, bonsoir. Ah putain, j'ai oublié de mettre un truc. Attends, je vais switcher juste de scène. Hop. Il y a un truc que je voulais mettre, mais putain. C'est pas ça que je voulais mettre. Pas ça non plus. Zut. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait de la merde. Capture de fenêtre. Ah voilà. Tac, tac, tac. Elle est où? Voilà. Ça marche pas, c'est nul. Désolé, j'essaye de... C'est pas ce que je veux faire. Après, alors. Bonsoir, je vais jouer à New World, je vais faire le début. Donc, on va voir ce que ça donne. Je dirai à Franck si je vais venir. Désolé, hein, je fais quelques réglages. J'espère que ça va dans le chat. J'espère qu'il y a des gens. Sinon, je parle tout seul, mais bon, j'ai l'habitude. Oui, c'est ça que je voulais faire. Discord Stream Kit. Ah, voilà. Ça marche. Ça, on s'en fout. Pied. Allo, allo. Allo, Franck, ça va? Ça va et toi? Bah, ça va, tranquille. T'es en stream, donc attention, hein, ton langage, tout ça, parce que je peux pas me faire éjecter, d'accord? Oh zut! Oh flûte alors! Pas que je dise de gros mots. Malandrin! Enculé, pété, connard! Mais d'ailleurs, je sais même pas comment ça se passe si jamais. Enfin, est-ce que tu te fais ban ta chaîne directe? Est-ce que t'as un avertissement, tu vois? Overlay. Bon alors, ce jeu là, parle-en moi là, parce que. Ça a l'air sympa, mais. À part les files d'attente. Overlay.
Bah, ce jeu, comment le décrire? C'est un Meuporg. Porg, j'aime bien les Meuporg. Ouais, c'est un Meuporg qui est. Il est plutôt basé sur le PVP endgame, dans le sens où ça va beaucoup jouer sur les guerres de territoire. Ouais. Et le principal truc du MMO, c'est que en fait, plus tu vas utiliser une arme, et ben plus tu vas devenir fort dans l'utilisation de cette arme, plus tu vas débloquer des compétences avec et tout machin. Moi, je jouais gros marteau et. Je savais que t'allais prendre une arme de bourrin, toi. Ouais, j'ai pris gros marteau et. Et hache ou un truc comme ça, bref. Ah, t'as pas fait d'arme à distance, rien Bah, arme à distance, il y en a une qui m'intéresse, c'est l'espèce de gant qui utilise du givre. Ouais. Mais j'arrivais pas à les faire. Je savais pas comment les farm ou les fabriquer ou quoi ou qu'est-ce, donc pour l'instant j'avais laissé tomber. D'accord. Je suis monté niveau 11 à peu près, et en fait, le seul truc que tu fais, c'est quand tu gagnes des niveaux, tu gagnes des points de caractéristiques du coup. J'ai vu que tu t'avais pas de classe particulière, tu mets tes points et selon l'arme que tu utilises, selon les. Voilà, c'est ça. Ça j'aime bien, ça me saoule de faire 36 persos sur les jeux moi, en général. Donc... Bah tu vois pour le coup là je pense que vraiment. Parce que d'après ce que j'ai vu, je sais pas si c'est parce que c'est le début ou quoi, mais je crois que tu vas pouvoir respé assez facilement. J'ai vu que. Alors par contre j'ai vu que. Je sais pas si t'as lu, j'ai vu une news tout à l'heure, je sais plus si c'était sur JV ou quoi. Tu peux quitter tes serveurs en fait. Pendant 15 jours ils autorisent à faire des transferts de serveurs par rapport à la. Au bordel. D'accord. Que ça, en fait. Ouais. Ouais bon franchement là juste en vrai c'est toi c'est t'as quand même 60% des joueurs tout à l'heure je regardais le stream de Zerator et il y a un mec après c'est peut-être une info qu'un gars lançait comme ça au hasard tu vois mais il disait justement qu'il y a 60% des gens qui veulent qui ont le jeu qui sont en file d'attente. T'imagines le bordel quoi. Mais surtout ça me rend fou de me dire que putain Amazon c'est. Enfin c'est combien de pourcentage des serveurs mondiaux quoi tu vois. Ouais mais ça après tu vois qu'ils aient pas prévu le truc ou quoi, ça je peux le comprendre. J'espère juste que d'ici ce week-end ils auront essayé de régler le souci quoi, soit en ouvrant. Bah le week-end ça va être la folie logiquement hein, parce que les gens ils vont être là en mode ouais y'a ça, ce week-end y'a pas mal de gens qui vont l'acheter, ça va être fou. Ouais, enfin, voilà, enfin, le jeu est pas cher, 40 balles, pas d'abonnement, durée de vie concrètement qui va être renouvelée, enfin c'est du jeu service quoi. Et enfin c'est quand même assez intéressant, donc ça serait dommage que les mecs se foirent là-dessus quoi. Parce que le jeu, moi de ce que j'ai vu, ça renouvelle que dalle. Il y a rien de truc nouveau, il y a pas de, ça invente pas la poudre tu vois. Mais par contre l'avantage c'est que, enfin il y a quand même, ça a l'air chouette quoi. Ça fait longtemps, enfin MMO vu comme ça, moi j'aime bien le côté combat en plus un peu à la Dark Souls, tu sais avec des roulades et tout, ça change un peu du. Oui, mais même sans parler de ça, tu vois, c'est le système de combat est pas forcément simple à prendre en main. Mais dans le sens où ouais, faut maîtriser, faut apprendre les timings des. Oui, donc vraiment, putain, mais je suis mort tard, grosse. Oh. oui, je me suis censuré. Hein. Non, le jeu est franchement cool. Est-ce que je tente de me connecter sur chat? Bon, je vais quand même essayer. Mais... Ah, est-ce que tu peux aller voir sur mon stream, deux secondes, j'ai mis un chat horizontal. En fait, hyper discret. Elsa, hier, me disait, ouais, c'est con, quand je mets mon message, je vous le vois pas en jeu, tu sais. Et je sais pas si tu l'as vu ou pas. Et c'est pas mal. Non, j'ai un problème en ce moment avec Twitch. Mon Twitch fait rame de ouf. Je sais pas pourquoi. T'as essayé d'enlever ton cache dans le navigateur? Ça, des fois, ça peut le faire. Ah peut-être ouais. Moi j'avais, tu sais c'est 1 giga maxi en général le cache d'un navigateur, au bout d'un moment il est plein et ça saccade. Alors je vais écrire un truc Voilà. Donc ça apparaît tout. Je vois pas du tout. Tu vois, mais si en bas, regarde en bas. Attends, je dois avoir de la merde dans les yeux parce que. Non mais c'est tout fin, c'est en bas, en dessous de jouer. Ah il y a oui d'accord, oui non c'est juste la latence. Entre le moment où je l'ai mis et le moment où il a paru, que je le voyais pas. Et je me suis dit, c'est discret, ça fait pas blinder et. Bah, ça fait BFM TV. Hein. Et oui, c'est le but. Attends, regarde, attends. Ah, bon, je suis vraiment une grosse torche, quoi. Vas-y, sur Get Shield, là, je galère.
Là, j'arrive au niveau du endgame, là, fouf. Tiens, regarde, flash info. Hop. Ah oui, ça, on a, oui, ça, c'est. Bah, est un con selon la police et selon les syndicats. Hein. Je sais même pas s'il est là, ce gros bâtard. Non, et franchement, le jeu est cool. Après, si t'aimes pas le PVP, je pense que moi, c'est un jeu. Je suis pas fan du. Ouais, sa mère. Je suis pas fan du PVP dans les Meuporgs, mais je me dis si le jeu a été construit autour de ça, je me dis ça peut peut-être me réconcilier, tu vois. Ben, le truc c'est qu'apparemment, moi de ce que j'ai vu, j'ai regardé Crane là, qui streamait, j'ai regardé un peu Zerator vite fait, même si je préférais donner mon audience à Crane, tu vois, qu'il y a moins de monde. Et en gros, enfin, Crane ça a l'air d'être un gros joueur de jeu de ce genre, et je l'ai pas vu faire Oui. de PVP une seule fois, donc. Ah non, mais le PVP en somme, quand t'es en leveling, tu peux le désactiver, tu vois. Mais le truc intéressant, moi, c'est que je me dire, enfin. Je fais mon petit PvE C'est que je me tranquillou et puis dire. des coups, tu vois, on fait un donjon avec des potes ou quoi. Puis si t'as envie de faire une petite guerre un soir, tu vois, tu fais, allez, vas-y, on va voir ce que ça donne. Tu t'en fous de perdre ou quoi que ce soit, tu vois, c'est pas le problème. Mais ça peut être fun, quoi. Ça change un peu des FPS, des trucs, tu vois. Bon, par contre, Bah en 1100, fait ça va être compliqué. moi le truc c'est que je me dis que ça peut être archi cool parce que déjà de 1 ça va changer un peu parce que ce sera un trifaction, tu vois. Donc ça déjà ça va changer parce que dès qu'il y en a une qui va prendre vraiment le lead, t'as les deux autres qui vont se mettre ensemble. Donc tu vois ça peut. Ah non, ça peut Ça. être. Et par contre, les mecs, quand même. Hein. Enfin, les gars, quand vous faites des serveurs, voilà, vous appelez Amazon. Non, il y en avait un, c'était Malva, il n'y a personne dessus. Donc je me dis, je vais peut-être aller là-dessus. Mais bon. Bah vas-y, hein, crée ton sopaire. Ah, je peux pas? Pourquoi? En gros, si t'as un perso créé dans EU Central, par exemple, tu peux pas le mettre ailleurs. Faut que j'aille par exemple sur sous US America, enfin US, etc. Les serveurs. Vas-y, c'est nul. Tu pries bleu, si tu pries ton perso. Ouais, mais attends, on peut pas le transférer là. J'ai vu, il disait ouais, on peut le transférer. Non mais va pas dans les autres trucs, tu vas être en ping. En vrai, va dans les autres serves, hein. Supprime celui-là et. Ouais, Même si tu fais créer un nouveau perso? Ouais, en fait, il considère, vu que t'es dans EU Central, tu vois, donc nos trucs de à nous, et si t'as, tu peux créer deux persos, mais dans des serveurs, des zones de serveurs, dans des régions différentes. Allez, D'accord. bâtard! Bah, moi, j'ai pas eu de soucis. Moi, j'ai créé deux persos. C'est deux persos sur Non, mais un deux serveurs serveur, deux serveurs différents. français? Ouais? Ce bordel. Je sais pas. Vas-y, crée ton perso test. C'était quoi Malva? Ça, il y a 4 personnes en attente. Vous ne pouvez avoir qu'un personnage dans Vanaheim, Alto, FR, Ensemble de Monde. D'accord, ok. Ouais, vu qu'en fait, il doit faire partie d'un ensemble. Vas-y, fais, j'ai compris, t'inquiète. J'ai compris. Putain, de la musique. Et niveau scénario, c'est intéressant ou pas? Oui, c'est sympa en vrai. C'est bon, tu sais, c'est le truc classique, hein. Tu découvres un nouveau monde, il y a une magie bizarre. Alors moi, j'étais pas tenté par la DA du jeu, le côté coucou les enfants, enfin, c'est le nouveau monde, tu sais, un peu façon colonialiste. Et en fait, j'ai vu qu'apparemment, tu peux avoir des skins d'armure différents, genre de viking, enfin des Ouais, décors, mais des trucs. ouais. Bah moi, tu vois, c'est ce que j'avais bien aimé justement. C'est, enfin, je suis pas fan du tout de l'espèce de style des armures Inquisition espagnole, Ouais, exactement. mais j'aime le principe de tenter un nouvel univers, les trucs médiévaux et tout, tu sais, armures classiques Ouais. européennes, tu sais, françaises et tout. On a vu ça 15 000 fois, alors que là, justement, ça change. Dans le sens où bah, c'est comme les pirates, tu vois, quand Sea of Thieves et les jeux de pirates machin c'était sorti, c'était en mode bah c'était tout nouveau. Et ça justement, voir un entre guillemets un univers, tu sais, un peu la peste noire et tout machin, Cela dépasse tous les c'est pas mal. Et même Peste noire des il y a un petit côté je terres. trouve un peu Cthulhu aussi. J'ignore Oui, comment non, bah au moins j'ai franchement, survécu. c'est. Attends, faut juste baisser le son du jeu, j'ai mis trop fort et je t'entendais à moitié.
Mais j'ai compris le message. Le contenu de cette boîte n'est pas de ce monde. Bah moi je me dis surtout que Amazon avec leur dobe là qui sont sortis avant, enfin leurs trucs qui ont pas marché, je me dis que ça serait bien qu'il y ait un jeu qui marche en fait quoi. Parce que quand tu mets autant de moyens dans un jeu, si à chaque fois ça bide. Allez-y, mais c'était. Ils ont sorti quoi avant? Ah, une espèce de jeu de un shoot en shoot en versus là. Ah, je vois pas. Le jeu, je te dis, il est sorti, il est resté 2 jours. Ils l'ont enlevé de Steam et tout. Bon, j'ai réussi à mettre mon jeu en plein écran en redémarrant et tout. Il l'a remis, mais à la bêta, j'arrivais pas. Non, mais en vrai, le jeu est plutôt cool. Et même le. Tu vois, enfin, un jeu qui, entre guillemets, tu vois, a pris en compte le truc Diablo, a vu que ça a marché, et donc du coup s'est dit, on va faire un MMO avec des combats comme ça. C'est pas un MMO dans le sens Diablo dans le sens Dark Souls, où tu sais vraiment c'est dur, tu vas te prendre par l'ennemi et tout machin, tu vas mourir, tu vois. Mais il y a un système d'esquive ou de parade qui est intéressant. Il est magnifique lui, c'est moi, bonjour. Ah oui, avec ta calvitie de 15 km. arrête, hein, tu dis pas du mal à la calvitie, je le vis déjà assez mal. Hein. Attends, 2 secondes, je vais juste mettre le message sur Crane. En fait, je suis Crane pour débloquer tous les trucs, tu sais, sur Twitch, je sais pas si tu le fais. Ah oui. Moi, je le fais avec Zerator, j'en ai débloqué 4 sur 5, je crois. Mais ça me faisait chier de le faire avec Zerator, parce que c'est un super gros streamer, en fait, et j'ai trouvé un autre streamer qui avait des drops, mais moins... Tu vois. Ah bah je savais pas, moi je pensais qu'il y avait que Zerator vu qu'il fait une espèce de... Moi je vais sur lui là, regarde, il est super sympa. Oui, Crane, je vois qui c'est parce que il faisait une petite session, une petite chronique avec JDG à une époque où il parlait de leur expérience et même il faisait tu sais, le jeu de rôle ensemble. Ouais. Et non mais en plus j'aime beaucoup, ça, c'est bizarre mais j'aime beaucoup sa voix. Il est magnifique celui-là. Oui, il a une voix très posée, moi ça me détend vachement. Bah comme Gotoz quand il fait ses news là, Gotoz l'ancien Gamecult là qui fait des pareil, ils connais ont des... pas du tout. Bah c'est un mec, c'est intéressant ce qu'il dit et je pourrais m'endormir en même temps, tu vois. C'est vraiment c'est Gotoz, GAUTOZ, il fait des matinales sur le jeu vidéo, les news etc. Si t'es du genre à avoir la flemme et que t'as bien écouté un truc en fond, c'est pas mal. Ouais, bah moi généralement, tu sais, les podcasts, les conneries comme ça, soit je les mets justement au moment de m'endormir, comme ça, tu sais, j'ai un ouais ou en jouant. Ouais, pareil. J'adore. Tu vois, State of Decay 2, là, tu sais, que tu disais que bon, le jeu était pas fou au final. J'ai mis pratiquement 200 heures dans le jeu, voire plus, en écoutant des podcasts, etc. Quoi. C'est vraiment. C'est le jeu parfait pour ça, quoi. J'aime bien écouter un truc où j'ai pas forcément besoin de me focus de ouf sur ce qu'ils disent, tu vois. Ouais, bah genre des news ou un truc, tu vois, où tu es au courant du truc, tu le mémorises, mais enfin j'avoue que j'ai déjà essayé des podcasts un peu plus complexes, genre des trucs politiques et tout, c'est un peu plus chaud quand même de se concentrer, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, par contre, moi c'est en fait généralement je mets des vidéos que je connais. Tu sais, j'aime beaucoup mettre les VOD de l'un qui était racide, il lance des vannes, des machins, tu sais, ça dure 30 secondes quoi, la vanne. Et donc tu t'écoutes à ce moment-là, boum, et t'es reparti pour 10 minutes ou t'as quelqu'un en fond quoi. Ouais. Et ça j'aime bien justement, parce que je me dis un truc où tu sais vraiment ça balance beaucoup d'infos, tu sais, notamment un truc politique, c'est trop lourd quoi. Tu sais, t'es soit concentré sur le jeu, soit sur le truc, t'arrives pas à faire les deux en même temps, tu vois ce que je veux dire Bah hier, Elsa est venue me parler, j'étais en stream, tu vois, truc tout con. Elsa est venue me parler, elle était chez son grand-père et tout. Et j'ai fait de la merde à Valorant parce que bah, c'est trop compliqué de parler et de jouer, quoi, tu sais, dans un truc. Mais c'est pour ça que les gars, tu sais, qui arrivent à avoir des vraies discussions de ouf, notamment les streamers, tu sais, les très bons streamers, qui arrivent à vraiment avoir un verbe et tout machin pendant qu'ils jouent. Je leur tire mon chapeau parce que c'est tellement compliqué d'avoir deux trucs en même temps. Tu vois, un jeu où c'est posé, c'est genre tour par tour, Final Fantasy ou un Civilization. Oui, t'as le temps de faire pause 2 secondes, tu vois le chat. Voilà, c'est tranquille. Mais un jeu, par exemple, comme j'aime bien Shigeru Miyamoto normalement pour ça, parce qu'il joue à Isaac, je sais pas si tu vois quel jeu c'est. Oh, je connais. Et ben, il joue à ce jeu-là et il te fait des salles et tout, et il continue à avoir une discussion normale et tout machin. Et je suis en mode, ouais, balèze, tu vois. Le gars, il est chaud. Ouais, mais c'est fatigant hein, après de streamer en plus. Les gens se rendent pas. Ah ouais, clairement.
Ah, le pire quand même, ça reste fatigant s'il y a personne. Moi, des fois, je joue, je suis dans mon coin, je m'endors un peu. D'un coup, on vient me parler, je fais. Hein? Putain, je sais pas quoi me créer comme perso. Je suis aléatoire en espérant tomber sur un mec chouette. Je déteste passer mon temps dans les créateurs de perso. Ah non, mais là, c'est simple, tu choisis un visage, une couleur de cheveux, une coiffure, une pièce et hop, c'est bon, ça passe. Tu sais, t'as pas de barre à. Là, il est tronche de ouf. Oh là là. Elle... Oh, après, tu peux créer le bon, tu sais, avec la grosse. C'est le gros texan là, tu sais, avec la grosse moustache et tout. Attends, j'ai peut-être pas fait beau, lui. Oh, oh putain, ah, dommage. La coiffure. Ah non. Ah, oh, il était beau celui qu'avant là. Non, mais faut que je sois un peu classe, merde. Hein. Allez, tu vas découvrir le nouveau monde. Exactement, ouais. Oh, elle est belle. Eh ben, vas-y, mets la coupe de cheveux avec... Quoi, celle-là bah, arrête, tu peux pas changer le perso, après. Non, mais celle avec la tonsure de moine, et tu lui as apporté la bonne parole. Attends, je regarde vite fait quand même ce qu'il y a d'autre, mais je vais peut-être rester sur ça. Ah, oh, elle est bien. Non, moi, j'ai créé un viking, une grosse barbe et chauve. Ouais, ah, moi, je voulais faire ça, là. Ouais, voilà, un truc comme ça, c'est pas mal. Rester comme ça, c'est bon, Balek. Ah ouais, mais là, t'as créé Sandrine de la Comta, là. Bah, il joue. Hein. Mais je sais pas combien il y a de décalage avec le stream, ça me saoule. Ah, il y a à peu près 5-6 secondes. Et bah, il joue. Hein. C'est Sandrine. Bon, c'est bon, je laisse comme ça, Balek, c'est bon. Allez. Oh putain, bah, je sais pas si je t'avais dit, mais ça y est, là, je suis pris à l'hôpital. Ah, ça y est ? C'est cool, ça. Ouais. J'ai eu l'entretien. Tout s'est super bien passé, alors. Absolument pas. Ah merde ! T'sais, le mec, quand... Non, mais le mec, quand il me dit, ouais, bah, vous êtes pris et tout, machin, putain, j'avais envie de lui répondre, mais pourquoi ? Alors, dis-toi qu'en ce moment, enfin, moi, je trouve que, oui, enfin, c'est pas évident de trouver des gens compétents, je pense. L'entretien, ça prouve pas tout pour moi. Ouais, mais tu vois, non, mais en fait, il y avait le truc aussi que j'étais archi stressé, quoi. Bah, déjà, à la base, tu sais, je devais avoir. Ça faisait combien de temps que t'avais pas fait d'entretien? Et mec, le dernier entretien que j'ai fait, c'était il y a 2 ans, et dans ma vie, j'en ai fait. Non, mais j'en ai pas fait des masses, tu vois. Bah, oui, oui. Oh, je suis place dans la file. Oh, yes. Et vraiment, je suis en mode. Déjà, je devais être avec un seul gars en entretien, tu vois, on devait être mano à mano. Ouais. Et j'arrive, et ils sont deux. Donc déjà ça me met un coup de chaud d'un coup. Là il y en a un qui parle pas, tu sais. Exactement, mais tu sais qu'il y en a un qui parle pas et qui me fixait avec des grands yeux. J'étais en mode, si on était en prison, tu serais un prédateur sexuel. Tu t'as pas proposé de mettre ta main dans sa poche, non? Non mais franchement, s'il aurait sorti un savon et qu'il me fait ramasse, ça m'aurait pas surpris, tu vois. J'ai mis jeu en moyen, on verra. Attends, je parle. Ah moi j'ai mis faible. Et le jeu est pas moche du tout, tu vois. Et déjà, il a l'air pas comme. Là, je te dis, la bêta, moi, mon jeu il tournait à 40 images secondes, j'avais redémarré plusieurs fois et tout, ça changeait rien. Ouais, bon, comme tu l'as dit, bêta. Ouais, bah, c'est encore une bêta, je pense. Hein. Du coup, t'en as un qui passait, qui parlait pas et tout, et puis même, la pièce elle était immense, il y avait une putain de grande table en plein milieu. Non mais attends, il y a une putain de grande table en plein milieu et je suis à un bout, ils sont à l'autre bout. Et je suis en mode, oh putain la merde, tu vois. J'aime bien avoir mon interlocuteur pas trop loin, tu vois. Ah mais c'est Covid en ce moment, c'est pour ça aussi. Oui, oui, non mais bien sûr, mais j'étais en mode, ils étaient bien à deux, allez, ouais, deux mois, tu vois, et c'est perturbant. Et en plus, dès que je disais un truc, le mec il notait sur son portable. Ah, les mecs qui notent, les mecs qui notent, faut faire gaffe. Et bref, et du coup, ce qui se passe, c'est que déjà, ils me font attendre, sans déconner, ils me font attendre 10-15 minutes. Tu vois, j'avais rendez-vous à 15h, j'ai dû avoir le rendez-vous vers 15h15, 15h20. Ah, tu vois, bon, bah, les couilles, tu vois, c'est ça arrive, tu vois, ils ont des imprévus, machin, il n'y a pas de souce. Sauf que pendant les 15 minutes, au bout de la minute 3, j'ai eu une envie de pisser. Ah, putain, là, je te reconnais bien, là. Non, bah, attends.
Là, j'ai une envie de pisser, donc je me concentre là-dessus et tout. Bref, j'attends, j'attends. Et je suis même en mode, bien, je sors du bâtiment et je vais pisser un coup et je reviens, quoi. Je me dis, si je pars et que je suis pas là et tout, et que je... bref, je suis vas-y, tant pis, je reste avec mon envie de pisser. J'arrive, bref, on se serre, enfin, on se serre même pas la main, on se fait bonjour de loin et tout, machin, bref, ouais. Je vais dans la salle. Et là, le stress, du coup, je vois les deux gars et tout, pâteuse de ouf direct. Putain, j'aurais dû prendre une petite bouteille d'eau ou un truc, machin, bref. Mais bon. Bref, tant pis, j'aurais dû trouver un truc, quoi. Et vraiment, au bout de 5 minutes d'entretien, j'ai envie de lâcher une caisse. Alors là, tu sais, les astres m'ont dit, toi, mon gars, tu me ranges. Non, je vais passer en stream 18 plus, attends, ça parle de paix et tout, je sais jamais. Non, et vraiment, je suis en mode, putain, je suis dans le mal et tout. Et en plus, j'avais préparé l'entretien de ouf et tout. Tu prépares les entretiens, toi? Bah oui, parce que déjà c'est ma mère, tu vois, qui m'a pistonné, tu vois, j'ai pas honte de le dire. Oh non, mais il y a pas de honte d'être pistonné, si t'es compétent derrière, il y a rien à foutre. Non, voilà, tu vois, il y a pas de. Non, mais c'est même pas question d'avoir une honte, c'est question juste de. Je préfère être transparent avec tout le monde. J'ai pas de. Oui, je suis rentré grâce à ma mère, mais j'ai pas. Maintenant, si tu veux trouver un bon travail et pas travailler comme un chien, être exploité, machin. C'est difficile, hein. Non, puis c'est difficile, surtout voilà. De tomber dans des boîtes où ça se passe bien, en fait, c'est surtout ça. Voilà, et j'avais cette opportunité, bah pourquoi pas s'en saisir, hein, bref. Et du coup, vraiment, pendant tout l'entretien, j'étais stressé et tout, et j'avais préparé justement avec ma mère, elle m'avait tout expliqué et tout, elle m'avait dit, ouais, voilà, hésite pas à poser des questions, des machins, des trucs et tout. Et putain, pendant l'entretien, je suis en mode, ouais, vas-y, tac, 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 et il me dit, ouais, bon alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait et tout, expliquez-nous un peu votre parcours. J'ai rien fait, d'abord, moi, je viens d'arriver. On se présente et on vous laissera vous présenter après et tout. Bon, bah, je m'appelle machin, tac, tac, je suis responsable de ça, et moi, je m'appelle truc, je suis responsable de ça. Je fais, ok, ils me font, bah, allez-y. Je fais, bah, et là, tout mon parcours scolaire, tout mon parcours professionnel, hop, il s'est envolé. Et j'étais en mode, mais je suis une merde. Je suis vraiment en mode, mais je suis une merde. Et du coup, bah, je baragouine, je sais même plus dans quel ordre j'ai fait mes tafs et tout, machin. Je sais même plus dans quel sens. Est-ce que j'ai travaillé au parc Astérix avant de partir à l'armée? Est-ce que j'ai machin avant de faire ci? Est-ce que. Plus rien. Du coup, je baragouine et tout, machin. Et il me pose plein de questions. Et il me pose toutes les questions qu'on avait révisées avec ma mère. Donc, je sais quoi répondre. Elle me dit, je sais, je les connais, je peux te dire. Sauf que là, j'ai tout zappé. J'ai tout zappé, je sais plus quoi faire. Et franchement, j'étais en mode, vas-y, je vais essayer de bien me faire voir et tout, machin. C'est comme un entretien, faut se vendre. Et je fais, franchement, j'essaie de me vendre pendant 10, 12, 15 minutes. Et ça me paraît une éternité, franchement. Bref. Et je le fais, et au bout d'aller 20 minutes, je me dis, franchement, t'es ridicule. Viens, on arrête, on joue carte sur table avec les gars, et ça passe ou ça passe pas, tant pis, tu vois. Je me dis, vas-y, viens, on arrête. Et du coup, j'étais moi-même, ça a été mieux, j'avais moins la pâteuse et tout, machin, ça se passait mieux. Et j'étais en mode, le mec, il me fait, ouais, dites-moi vos qualités, vos défauts, tu connais. Oh non, mais c'est de la merde, ça, putain. Ouais, je suis perfectionniste, machin et tout. Le mec, je lui fais, à moi, dès qu'il y a un truc qui me plaît pas, ça se voit sur mon visage. En défaut, et il fait ouais, et en qualité, je fais oh bah moi, ma qualité c'est que je suis volontaire. Quand il y a des trucs à faire, je le fais et tout machin. Je suis volontaire. Je pète. Non, je suis volontaire. Et après, je lui dis, par contre, si vous voulez des défauts, j'en ai plein. Et là, il rigole. Je fais bon, bah ça va plus. Et tu sais, on commence à aller, ça va de mieux en mieux et tout machin. Mais j'étais vraiment à la fin de l'entretien, je fais franchement, c'est 50-50. Parce que. J'ai vraiment chié dans la colle. Mais ta mère, elle bosse là-bas, mais elle était un peu au courant. Comment se passait? Elle pouvait avoir des trucs ou c'était ta vraiment... mère toi-même? Non, mais ta mère. Non, non. Ouais, ma mère, elle sait exactement. Elle était cadre, tu vois. Ouais, d'accord. Donc elle avait un bon niveau, tu vois. Mais et mon frère a déjà bossé là-bas aussi. C'est Arsou. Tu vois, avant d'aller à la gendarmerie, il a bossé là-bas et tout machin. Ouais. Ça s'est bien passé. Mais après, du coup, vu que mon frère avait fait du très bon boulot, elle s'est dit bon bah je vais. Il y a mon cousin dans la vie. C'est un petit con. Hein. Franchement, c'est même pas pour être méchant. C'est la réalité des choses. C'est un petit branleur. Et il a travaillé là-bas, sauf qu'il a foutu la merde et tout machin. Ça s'est très mal passé, quoi. Très mauvaise expérience. Et du coup, je pense que là, tu sais, j'étais un peu un taux de tournant, quoi.
Mais bon, là, je vais voir. Normalement, je commence dans un mois. De toute façon, c'est quoi? C'est un CDI? T'as une période d'essai, je suppose? C'est ça. De toute façon, c'est 3 mois maxi, donc en général, une fois que t'es à l'aise. Non, mais de toute façon, non, et puis c'est cool, même c'est un poste qui est franchement qui est sympa. C'est, je vais être entre guillemets, je vais être au magasin général, donc tu vois, je vais dispatcher tous les produits à travers toutes les structures de l'Île-de-France et tout, parce que ça, c'est un gros truc. C'est quoi ton pseudo? Je vais essayer de te trouver pour t'inviter au moins, non? Bah non, parce que mon personnage est sur un autre serveur. Ah, on peut pas s'inviter, d'accord, putain, c'est... Bah, je pense pas, vu que, du coup, tu sais, faut créer, faut que je supprime mon perso et que je recrée un autre. Ouais, c'est chiant. Écoute, on va pas se plaindre. Déjà, apparemment, ils ont mis plein de serveurs, mais genre, ils ont fait péter, genre, il y a 180 nouveaux serveurs qui ont popé comme ça dans le jeu. Ah ouais? Ouais. Ah bah tant mieux. Pourquoi ils ont pas fait ça dès le début, les mecs? Je comprends pas. Bah en vrai je sais pas. C'est à quoi ça me fait penser le début du jeu, les animes du perso et tout. T'avais déjà joué à Risen, tu sais Risen ou comment ça s'appelle le jeu d'avant là qu'ils avaient fait, putain. Tu sais c'est des Skyrim allemands quoi, c'est des Elder Scrolls allemands, tu vois. Ah non. Ah tu connais pas Risen? Non. Ah, putain c'est. Bah leur dernier jeu qu'ils ont fait s'appelle Elex. C'est des jeux en monde ouvert, mais vraiment un peu à l'ancienne, quoi. Tu vois, c'est pas. Enfin, dis-toi, Skyrim à côté, c'est moderne, quoi. D'accord. Oui. Si tu regarderas, tu verras. Risen, il y a. Putain, comment ça s'appelle? Attends, je regarde. Tef. Ah, c'est obligé, tu connais ça, putain. Ah, mais je trouve que j'ai déjà vu le jeu, mais j'ai juste plus le. Mais je l'ai pas joué, en tout cas, ça, c'est sûr. Then... Studio, c'est Piranha Bytes, c'est un vieux studio, c'est un studio allemand, et ils ont fait Gothic 1, 2, 3. Eh ben, tu sais que j'ai jamais joué à un Gothic. Ah, je connais le nom. C'est dur, mais c'est bien. C'était les jeux un peu. C'était ben, en gros, c'était à l'époque, c'était un peu l'équivalent des jeux Elder Scrolls, quoi, en fait, mais version allemande. En gros, mais c'était très, très à l'ancienne, très rigide dans la façon de te déplacer et tout. C'est ouais, je le vois, ouais. Mais le Risen 3 était très. Pas Attends, Ryzen, c'est pas un jeu sorti sur Xbox 360 et tout. Si, il y a le 2, il y a le 2. Mais ça me fait penser à ça. Ben oui, d'accord. Il y a du monde, putain, mais c'est ouf. J'avais un pote qui jouait justement et qui me l'avait fait faire, mais moi j'étais plus à l'époque sur comment il s'appelle Two World 2. Ah, toujours, c'était dégueulasse sur console. Non, mais moi, ce que j'adorais par-dessus tout, dans Toward 2, c'était le doublage. Oh putain, le doublage français, oui, c'était masterclass. J'ai fait que le début, j'ai rigolé, et puis j'avais emprunté le jeu au boulot, et c'était gênant. Ah ouais, non, mais j'adorais, c'était la première scène où les méchants, je crois, ils se font attaquer. Et premier truc, c'est t'as le gars qui arrive en urgence et tout. Ouais. Et il fait vraiment, je te le fais avec l'intention. Messire, nous nous faisons t'attaquer. Il y avait très peu d'émotion dans le truc, quoi. Ah ouais, et j'étais en mode, oh, c'est génial. J'aime ce jeu, c'est génial. Par contre, le jeu était très bon, par contre. Sur PC, il était bon, ouais. Il était correct. Mais le problème, c'est que ça arrivait après d'autres jeux. Enfin, il y avait eu, Oblivion qui était sorti et tout. C'est vrai que ça c'est bon. On peut respécialiser quand tu veux, c'est cool ça. Ça j'aime bien ça. Alors j'ai eu une paire de bottes. C'est où l'inventaire? Tab. J'ai eu des super bottes de dueliste. C'est l'heure du duel. Vas-y, je vais lancer mon jeu, voir est-ce que je peux. Et tu peux te créer. Ah, tu t'es déjà créé deux persos toi? Je le savais toi. À chaque fois tu es un rapide. Ah bah c'est, je peux recevoir les. Il me reste quoi à recevoir? Ah bah il me reste la hache et le marteau. Ah attends, faut que j'aille voir. Shot. De qualité. J'ai mis le stream en résolution toute pourrie pour pas que ça m'impacte sur le stream. Je vais lancer le jeu, voir. Non, parce qu'en fait j'ai créé un premier perso parce qu'au début il y avait très peu de serveurs parce que le jeu je l'ai eu à la sortie. Et j'ai créé un perso sur un serveur
Et tu vois, j'étais 400ème. Je me suis dit, ça va aller vite et tout, machin. Et je regardais le stream de Zerator en même temps pour essayer de looter, tu vois, les trucs et tout, machin. Et ce qui se passe, c'est que... il fait, ouais, les streams seront à 17h et tout, bref. Bah, tu sais, je mets Genshin Impact en même temps, je joue, je mets sur mon téléphone, bref, je me fais mon petit setup et tout. Et il dit, il y a un message du chat en disant, ouais, il y a des nouveaux serveurs qui viennent d'être ouverts, machin. Boum, j'ai changé de jeu, j'ai recréé un nouveau perso pour justement aller sur ce serveur-là. Et écoute... Pour l'instant, j'y étais, il y avait Sun Père dessus. Mais bon, si là le serveur est plein. Après, honnêtement, en début de jeu, là, je pense que le joueur contre joueur, c'est à mon avis, ça a désactivé. Bah, je vois tous pas. Les gens qu'il y a, si tu tapes un mec, que tu fais pas gaffe. Ouais, mais justement, je me dis que ça peut être cool. Mais en fait, ça a pas d'intérêt avant que tu choisisses ta faction. Parce que je crois que tu peux même pas l'activer avant. Non, tu peux pas l'activer avant que tu choisisses ta faction. Il y a trois factions, moi, je mets ça dans le jeu. Ouais, il y a trois factions. Tu choisis. Ouais, t'as les. T'as... En fait, moi j'ai pris les verts parce que c'était les plus cool. Oh, t'as pris Saint-Etienne? Oh, les verts. Exact. Attends, je vais juste baisser le son du jeu parce que si merde les oreilles. Alors, je suis un peu déçu. Je vois un trou dans un bateau. Je peux pas passer à travers. C'est ouais, gênant. Par contre, le début est très. Est très crypté. Ouais, scripté. Allez, on va te supprimer. Ah, ça me donne vraiment l'impression de jouer un vieux jeu de rôle. Hein. Vraiment, les animes et tout, c'est assez cool. C'est Malva, c'est ça? Ouais, Malva, ouais. T'as déjà un personnage dans un monde associé, ce personnage va te supprimer avant de pouvoir créer un nouveau. C'est ce que je te disais. Vas-y, ta grosse daronne, je vais le supprimer. Mais moi, surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'apparemment... Les jeux qui te demandent trop de temps, tu sais, comme WoW et tout, tu fais d'avoir des raids. Là, apparemment, c'est un jeu, tu peux des fois dire je rate une semaine, c'est pas grave, je vais pas. Tu vois ce que je veux dire? L'économie du jeu va peut-être changer un petit peu, oui. Mais t'auras pas l'impression d'avoir raté énormément de choses en fait. Je suis pas d'accord avec toi parce que si le jeu est vraiment. Si le jeu est suivi et que t'as une grosse commu sur ton serve, je pense que justement tu peux louper des trucs dans le sens où il peut y avoir des villes du coup qui sont prises par d'autres joueurs et tout. Ah oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois par exemple le soir, tu sais que tu peux jouer 2 heures et faire quelque chose. Ah oui. Ça c'est un truc qui me rendait fou dans d'autres jeux, c'est bah des fois t'as pas le temps de jouer quoi, tu vois. C'est pour ça que j'aimais bien Guild Wars 2 d'ailleurs pour ça. Par contre, les gars, l'eau, vous auriez pu faire un petit effort quand même, hein, parce que... Ah, attends, t'as pas été nager dedans, quoi. J'ose pas. Ah, est-ce qu'on peut nager? Non. Ah, en fait, d'accord. Tu nages pas, tu coules comme une pierre au fond. Ah, c'est vrai, et t'as pas de vie, enfin rien qui baisse Si, par contre, tu meurs, tu peux mourir noyé. C'est énorme. Bon, par contre, c'est un peu l'Athéon, hein. Un jeu pareil qui tourne à moins de 60 images secondes, c'est un peu décevant quand même. Je vais remettre en moyen pour le moment. Ça demande un peu d'opti hein, quand même. Allez, ça. Ah non, 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 c'est juste. D'accord. C'est opti avec le cul. Alors. C'est quoi que je vais baisser? Texture, détail de l'eau. Allez, je vais l'appeler. Et comment on récupère les armures de ouf là qu'il y avait dans le jeu? Peut-être un coffre. Oui. Bon là j'ai tué 3. J'ai vaincu des noyés. Oh quelle chance. Bah attends j'arrive là. Enfin attends, je vais voir, je suis dans la file d'attente. Alors, moi j'avais eu un mec. Et apparemment il disait que même de toute façon il n'y avait pas de problème que si les serveurs se baissaient un peu, ils fusionneraient des serveurs en fait. Donc, ouais. Il n'y aura pas de sensation de. Bon, après, il faut voir le jeu. Hein. Ouais, après, il faut voir aussi comment il fusionne. Parce que si par exemple, tu es sur un serveur où je fais une connerie, mais les jaunes sont omnipotents sur le serveur, qu'ils ne les fusionnent pas avec un autre serveur où tu as les jaunes qui sont aussi. Je pense qu'ils vont tout remettre à zéro, à mon avis, quand ils fusionneront les serveurs. Bah, place dans la file, attends, je vais aller en profiter pour aller pisser. Je reviens. Fille-moi ton pseudo. Bah, non, c'est Steam. Bah c'est on peut se connecter grâce à Steam. On peut s'ajouter grâce à Steam. Attends, je vais pisser, je reviens. Bon bah non, je vois pas, bah tout de suite. Comment qu'on fait?
non, on peut pas. Il dit des conneries. Vas-y, on peut faire des trucs. On peut fabriquer un espadon, quoi, carrément. Alors, ouais. Mon prénom, c'est mon nom, c'est Francky. D'accord. Définir l'outil actif. D'accord. Fossile de récolte en silex. Bon, je suppose qu'il faut tout faire, à mon avis. Interface, c'est le futur quand même. J'ai l'impression que c'est beaucoup encombré, mais pas forcément compliqué. Attends, non, il faut se rajouter, il n'y a pas de. Alors attends. Tu m'as dit. En Kix. FR avec un F majuscule ou pas, je sais plus. Je crois, ouais. FRAN, CK, YX. Ah, c'est bon, ça. J'ai trouvé. Ajouter un ami. C'est traduction. On rejoint ou pas? Attends, là, je suis en train de faire l'espèce de tuto là. Oh, tu sais quoi, je t'attends quand tu pop devant l'eau là. Je serai sur le rocher tout en haut. Je serai sur le rocher qui te frappera par la lumière du soleil à midi. C'est cool l'escalade par contre. Mais en fait c'est plus, enfin c'est ouais, je sais pas comment il s'appelle là. Zerator, il parlait d'un truc comme Albion Online là. Je sais pas si toi t'as dû essayer ça. Ouais, j'avais testé mais il y a des années. Bon, je t'attends, j'ai juste fait une quête mais je la ferai avec toi et puis comme ça. Oui, en fait c'est Albion Online mais. Escalader. Ah, on peut s'asseoir, c'est bon. Slash site. Bon, allez, je veux mon gros marteau là. Tu l'as pas de suite le gros marteau? Non, mais j'espère en looter un. Mais en fait, moi j'aime bien ce genre de principe de plus tu joues une arme. Plus elle est puissante, tu vois. Par contre, un plus truc fort un peu avec. Con, est-ce qu'on peut virer le chat global? Je déteste tu sais, les chats qui pop pendant tout que tu joues. Il y a plein de mecs qui mettent « Ouais, bonjour ». Il y a du chat vocal dans le jeu. Eh ben. Ouais. Je vais mettre le chat... compagnie, groupe. Ah, par contre, le mec au tout début, il a une épée à deux mains. Pourquoi moi j'en ai pas une? Comment on fait pour voir la carte? Ah oui, mais c'est grand quand même. Enfin, c'est grand. C'est pas haut, hein, tu vois, mais. D'accord, ça c'est la non, ville. Et ça, c'est quoi, mais déjà ça pour un jeu entre un nouveau jeu tu vois c'est déjà suffisamment je pense. Bon après ça a pas l'air assez grand pour avoir une monture par contre. On peut se TP j'ai vu ça, non c'est cool. Apparemment il y aura pas de monture. Wow, c'est pas grave. Guerre à venir, attends je regarde un peu le temps que t'arrives. Guerre à venir, il y a pas de guerre, c'est bon. Ouf. Bon, le serveur vient d'ouvrir. Emplacement des ressources. D'accord. Écoute, c'est pas ouf l'interface, mais déjà, ça a le mérite d'être fonctionnel. Bien, réputation c'est bon, des territoires. Attends, j'arrive. Alors, je vais au camp. T'es où? Tu m'as pas mis en ami? Attends, là. Là, je viens de voir. Hop. Ah. Est-ce que je peux t'inviter? Invitation le groupe. De groupe. Yes, on est copains. Et comment je te vois là? Là, t'es où là? Ah, la flèche verte, c'est toi? Non.
Non, la flèche verte, c'est la quête. Ah, t'es là. Je te vois. Je te vois. J'arrive. T'es à 2 km? Mais non, pas possible. T'es ouf. Je te vois pas, toi. Ah si, c'est bon, je te vois. Ah oui. Non, mais toi, t'as bien avancé. Moi, je suis encore sur le rivage, là. J'étais sur le rivage, mais j'ai atterri juste à côté du rivage. On n'est pas au même endroit. Attends, fais voir. Non, on n'est pas au même endroit. T'as la quête parmi les noyés? Attends, t'es en train de me dire qu'il y a peut-être plusieurs rivages. Donc t'es obligé d'aller où? Est-ce que c'est là que tu dois aller? Genre ah oui, autour de Guédulon? Ah oui, il doit y avoir plusieurs rivages. Ouais, il doit y avoir plusieurs zones de spawn de départ. Attends que tu me rejoignes ou... Ah bah non, je peux pas. Bah non, faut qu'on fasse les quêtes, on se rejoindra après. On va le faire, c'est pas grave. Oh, le chat, par contre, c'est relou. Discussion globale, proximité. Voilà, je vais mettre le chat en groupe, comme ça. Je trouve que ça pète, les messages qui pop tout le temps, je trouve que ça pète un peu le côté je joue tranquille. Bah, surtout quand les mecs disent de la merde. Ouais, là, c'est Amazon, ouais, ils mettent des serveurs, dans 2 minutes, il est à 4000. Alors, Tahir Fayed, bonjour monsieur Tahir. Allez, donne-moi mon pantalon de dueliste. Oui, tiens, bah, tiens. Ah, j'adore parce que la récompense est marquée reward. C'est que des voix françaises et tout, ça c'est cool quoi. Ces rochers sur lesquels tout le monde trébuche. Au travail, vous avez passé un bon bout de prudence surtout. C'est son véhicule. Ah, par contre, je suis désolé, mais moi je farm. Ah, oui, bon, t'inquiète pas, bah, c'est un jeu à farm de toute façon. Apparemment, j'ai vu regarder une vidéo de Zerator là qui parlait genre pendant 30 minutes sur YouTube. Il expliquait que en gros ça peut être intéressant, même si tu joues pas forcément PVP, tu peux très bien farmer, aller dans une ville où c'est pas cher, acheter plein de trucs et les revendre dans une ville où c'est cher, tu vois, etc. Quoi. Ouais. Alors allez, donnez-moi un marteau. Putain, mais donnez-moi un marteau, bordel. Attends, ah mais je suis con, j'ai pas équipé mon pantalon de dueliste. Et j'avais un marteau. Est-ce que je peux recycler mon futal de suite ou pas? Ouais, super. Non, mais en fait, je suis en train de me dire, toi, tu vas jouer quoi? Tu sais à peu près ou pas? Attends, laisse-moi 3 secondes, je vais regarder, c'est quoi les armes les armes du jeu. Attends, je regarde juste la maîtrise des armes. Alors, épée bouclier, rapière, hachette, lance, hache double, ça m'intéresse. Bah, hache double, c'est une grosse hache. Bah, toi, t'as marteau, c'est ça? Non, mais moi, je m'en fous, en vrai. Moi, le truc, c'est que s'il y avait une épée à deux mains, j'aurais pris une épée à deux mains, mais il n'y en a pas. Ouais. Donc ça a des chances que ce soit la hache double. Après, il paraît que c'est bien de jouer deux trucs. Oui, bah, de toute façon, tu peux t'équiper de deux armes. Bâton de feu, ça a l'air sympa. Est-ce que, ouais, mais toi, tu joues heal ou pas? Du tout. Ouais, est-ce que ça vaut le coup de jouer heal? Toujours pareil. Je sais pas. On va voir. De toute façon, je prendrais un truc de corps à corps, un truc de distance, à mon avis, donc... Ah, moi, il y a moyen que je joue mage, du coup, parce que j'ai bien envie de test. Je me dis, ça peut être cool. Après, franchement, ça va, je m'attendais... Mais j'ai vraiment, je te dis, là, tu mets Gothic 3 ou Risen, j'ai l'impression de jouer à ça. Et c'est pas forcément... Je pensais qu'il l'aurait pris, Cédric, moi. En plus, ça tournerait sur son PC. Bah, si ça tourne sur le mien, normalement, ça tourne sur le sien. J'ai tué un sanglier. Je suis fier de toi. Je suis sûr qu'il l'avait mérité. C'est un gros sanglier quand même. T'as tué Cédric? Oh. Oh. Il est pas gentil. Le sanglier avait l'air moins con que Cédric. Quand même. Je me dis quand le Vanon il va forcément arriver, tu vois, mais. Ouais, non. Puis nous raconter sa journée d'école, tu sais. T'as une limite T'as une limite quand tu chopes du loot là, enfin tous les larves et tout. Les arbres et tout, t'as une limite genre de poids ou quelque chose ou... Oui, tu vois sur tab, tu sais sur comment ça s'appelle. Tu vois t'as ton petit à côté de tes sorts, ça va, ça marche quand même.
Ah oui, tu peux porter une carrière entière sur le dos. Y'a pas de problème, monsieur. S'équiper d'un couteau de vie, cuisiner une petite ration de récupération au feu de camp. Y'a quand même un petit côté quand même survie qui est assez rigolo. Même si je pense pas que voilà, t'auras pas soif ou des conneries de ce genre, mais. On dirait un jeu qui a absorbé plein de trucs différents. Ouais. Non, moi j'aime bien, tu vois, justement le côté faux farm. Ah, mais t'es un peu comme moi là-dessus, t'aimes bien débrancher des fois le cerveau en mode. Ouais, voilà, je me fais une session, je ramasse que des arbustes et voilà. C'était génial. Ah, voilà, mais Elsa, ça devrait l'intéresser alors. Non, je déconne. Attends. Ah oui, je dois aller là. Non, même le corps à corps, tu sais, les combats, c'est pas aussi exigeant qu'un Dark Souls, mais en même temps, il y a quand même un petit peu de trucs, tu sais. Bon, je vais arrêter de loot là, je vais. Ah oui, je dois lui parler. Ah, il y a un papier, je l'ai pas vu. Les papiers sont pas affichés nulle part, tu les trouves vraiment au pif, quoi. D'accord. Ouais. Ouais. Ça, par contre, quand t'es complétiste, si t'as envie de te dire, ah, cette zone, je vais la faire entièrement. Attends, je dois chasser un sanglier. Ah bah, t'en es là. Bon, il y a bien un moment, il va nous lâcher, on va pouvoir se retrouver quand même, parce que. Alors, il veut que je cuisine quoi? Alors mon petit gars, je vais te faire... Ah bah si, espadon en bois. Mais comment ça se fait qu'il y a déjà des mecs qui ont des armes de feu là? Alors moi j'ai vu un mec avec un bazooka, hein, donc... Attends, pas une blague, je peux me faire un espadon là. Non, c'est juste une épée en bois, c'est de la merde. Je me suis fait niquer aussi. Non... Désolé de casser ton rêve, mais. Moi aussi j'étais en mode, un espadon en bois, vas-y, je m'en bats les couilles, s'il est moins fort, je le fais. Bah non, c'est pas du tout un espadon. Vas-y, je vais me faire rembourser. L'inventaire, ça va être vite un bordel, j'ai l'impression. Non, ça va encore, c'est plutôt à peu près bien rangé. Mais non, il fait plus de dégâts que mon épée. Ah non, pardon. Attends, je comprends pas là. Ah non. Il est où cet espadon en bois d'ailleurs? Je vois pas dans mon bordel. Dans ton inventaire? Ah si, il est là. Ah oui, d'accord. Espadon. Ah oui, ouais, cool. c'est vraiment. J'ai eu une robe. Ah bah vas-y, mets-la direct. C'est le nouveau monde. Hein. On t'accepte comme on est. Bien sûr, pas de jugement. Non, jamais. Je vais dans l'autre sens, c'est bon. Bon, les animations sont un peu rigides, mais ça va encore, tu vois. Bah moi, ça me fait marrer, c'est que le perso court direct. Tu vois, il a pas de semi-animation. Allez, j'y vais. En effet, votre navire n'a pas été le seul. On peut pas mourir, bah, ça c'est chouette. Alors, tout ce qui reste, ouvrir le journal. Alors pour le stream, pour ceux qui regardent, je suis pas trop lecture de quêtes et tout en général. Si jamais ça vous intéresse, vous me le dites. Je peux même vous le lire si vous voulez, mais. Situé sur la carte. J'ai une cuirasse en plaque. Le loot, c'est complètement aléatoire ? Je crois, ouais. Together. Na 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 na. T'es déjà niveau 4 ? On voit son niveau. C'est marqué en bas à gauche. Je suis con, je suis bientôt au niveau 4. C'est pas grave, on t'excuse.
c'est vraiment parce que c'est toi. Mais non, mais je parle à Elsa aussi, c'est pour ça, elle rentre demain. Ah, ok. Attention, je vais nager. Ah, non. Alors, je viens de croiser Farid Jolicoeur. Ah, salut Farid Jolicoeur. En fait, ça vaut le coup de se monter une guilde ou quelque chose ou quoi? Alors, je pense que ce sera vaudra plus le coup d'en rejoindre une ouais. que de la monter. Je veux parce pas une guilde de connard, par contre, hein, si c'est possible. Non, mais de toute façon, on verra ça. Mais je pense qu'à à 5 joueurs, tu fais rien dans le jeu. Je pense que ça va être du 20 contre 20 et tout ça. Ouais. Et c'est ça qui est plutôt attrayant, je trouve. Par contre, quand je cours avec mon épée et mon bouclier, je suis vraiment en mode, je fais niquer des mères, quoi. De l'herbe, tu fumes, veux toi un truc? Vas-y, fais péter. C'est quoi un point de la bœuf, mec? Oh, j'ai une hache double. J'ai un gain de réputation, mais je sais pas où le mettre. Allez, ça va chier, je vais vous couper la gueule avec ma hache double. 90 poignées, dextérité. Retournez la beuman, laisse-moi tirer une latte sur ce morceau de salade. Ouais, par contre, fais gaffe au DMC, hein, parce que je chante tellement bien que... Quel bel organe. Merci. Gaël, t'as envoyé des photos, c'est ça? Y'a pas de contre... Tu peux pas contrer un coup et renvoyer, genre comme dans Dark Souls, non? Je ne crois pas. Je sais que tu peux parer, mais après contrer, je pense pas. Alors, ah, je peux acheter une amélioration. Non. J'ai pas compris, c'est quoi? Bouclier solide du confrère, 15% d'armure supplémentaire, d'accord. Sinon, je peux te débloquer une nouvelle truc. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir deux compétences à balancer ou d'en booster une? Alors, je t'avoue que je ne connais absolument pas assez le jeu pour savoir ça. Tu sais quoi? Faut se faire plaisir. Mais étant donné que tu peux respé. La respé gratuite, ça c'est cool. Enfin, je trouve que c'est chiant de devoir payer. T'as juste, ouais. T'as juste envie de vouloir t'adapter et jouer avec tes potes, quoi. Bon, pas en vrai, moi, s'il faut jouer soin, je jouerai soin. Hein. Alors, registre de la couronne, ok. Je vais péter la bema. Laisse-moi tirer une latte sur ce morceau de salade. Vas-y, là. Voilà, crève. Y'a pas de ciblage des... T'as pas un ciblage? Non. Non, putain, ça c'est chiant. Ah non, au contraire, moi je kiffe. Mais non, mais des fois t'as juste envie de... d'avoir un mec que tu cibles, tu vois. Pas forcément de... Tu vois, ça vise tout seul, tu vois, mais... La caméra suive un minimum, quoi. Alors, je sais pas où je dois aller. À dire 10 mètres, j'ai un truc à récupérer. Alors, quand t'es en groupe, t'as l'impression que tu, à chaque fois, je vais te suivre toi et pas l'objectif. Ouais, le gros truc violet là. De toute façon, là, je suis désolé, mais je vais farmer un peu le début, hein. Parce que j'ai envie d'augmenter un peu mes métiers, tu vois, avant de... Ok, je veux bien récupérer le truc qui a... Il est où, toi ? Il n'y a pas un boss dans cette zone, là ? Je l'avais déjà celui-là.
Apparemment, il y a un magasin en ligne sur le jeu. Ah, t'es une boutique. Ah, la boutique, c'est dégueulasse. Je sais pas, je vais même pas regarder, je t'avoue. C'est, tu vois, c'est que des apparences, apparemment. Bon. Écoute, apparemment, c'est ce qu'il faut pour faire vivre un jeu, maintenant. Hein. Oui, bon, tant que ça reste des apparences, moi, ça me dérange vraiment pas, tu vois. Oui, oui. Apparemment. Ah, mais c'est ça, je l'avais pas vu tout à l'heure. Ah, le voilà. Y'a des boss dans chaque petite zone de quête, ou... Je sais pas, mais j'ai trouvé un boss, donc je suis en train de le défoncer. Écoute, j'ai bien fait de pas l'acheter hier. De toute façon, j'avais pas de sous. Ah, t'as reçu la paye. Ouais. Oh, mais j'achète pas grand-chose. Il y a Metroid, là, que j'avais préco il y a un petit moment. Sur Switch. J'ai un skin Windows 95 maintenant pour streamer les jeux un peu rétro. Ah, Metroid, il a l'air bien. Ah, il a l'air chouette. Le premier que j'ai fait, c'est Fusion sur GBA. Ouais. Ouais, oh putain, comment je vais reculer. J'en ai commencé plein, je les ai jamais finis. Oh putain, écoute, j'ai eu un bâton de feu. Putain, j'ai eu une chatte. Qu'est-ce qu'il se passe, Gaëlle? Elle est en train de faire quoi, là? Dormir. Ouais, c'est ce qu'elle essaie de me faire croire. Oh, tu me tapes pas, hein. Je veux que le boss il repop, moi. Je vais essayer de choper parce que tout à l'heure je l'ai tué avec mon autre perso. Je l'ai tué et vraiment il m'a loot sa tenue direct. D'accord. J'étais en mode bah trop bien, elle est trop stylée cette tenue. C'est un jeu qui récompense l'explo ou pas, genre quand tu te balades? Parce que je vois que la carte affiche rien de spécial, mais. Pas assez d'infos malheureusement. En ville. Kilomètre 73 de moi. Putain, les mecs, un jour en 2021, faites un effort sur l'eau, quoi. Putain. GTA, il a je sais pas quel âge et l'eau elle est folle, quoi. Ah oh bon, les sorts avec le bâton de feu, c'est vraiment t'envoies une boule de feu. Hein. Il y a des points de TP, ça marche comment leur truc là? Je suis là, d'accord. Putain, la map est grande quand même. Enfin. D'accord, j'ai plus de mana. C'est quoi les réserves de ravitaillement? Ça te donne des trucs Oui, c'est des petits trésors entre guillemets. Chapeau de cuir. Un mousquet, putain, il y a un mousquet. Putain, il va me piquer le mousquet. Alors. Il m'a piqué le mousquet. Ah, ça y est, mon inventaire, c'est déjà le bordel. Ah, c'est niveau 5 la deuxième arme. Ah, le corps.
Bâton de vie. Ah bah bâton de vie, c'est pour healer. Ouais, félicitations, tu seras le healer. Ah oh merde, putain, je suis content. Ça a l'air chiant. Oh putain, la vache. D'accord, un espadon chez eux, c'est une petite épée, d'accord. Ok. Un peu le même sens de. Robe en tissu, putain, elle a un bon score, je la mets, direct. Petit chapeau. Je mets mon chapeau. Ça c'est fait, je dois aller où maintenant? D'accord. C'est pour de la beumane. Quand tu joues le soir, il fait nuit ou il y a un cycle jour-nuit? Non, je crois qu'il y a un cycle jour-nuit. Ah, ça c'est cool, ça me saoule les jeux. À une époque, je jouais à, je sais plus à quel jeu là. Je crois que c'était quand je jouais à WoW et quand je jouais le soir, bah, il faisait tout le temps nuit, c'était un peu relou. Cette robe est super bien. Ah, y a pas d'attaque sautée. Oh putain, j'ai tourbi lol. Mais en fait, je t'avoue qu'au début, j'étais pas fan des marteaux, des armes comme ça et tout. Et depuis que j'ai découvert, c'est la classe que les gars de Warhammer, ils ont. Je suis en mode, ouais, vas-y, nique sa mère, les marteaux, c'est trop stylé. Bientôt le marteau dans Vadim. C'est tout. Hein. Ah. Ça va aller, il faudrait que je le relance pour voir un petit peu ce qu'on peut faire là en termes de déco. Ouais, je crois que le serveur, par contre, il finit le 16. Hein. Je t'avoue, je le renouvellerai, je pense pas que je le renouvellerai. Non, mais en fait, j'arrivais même pas à me connecter sur le serve. Donc. Ah bon? Ah ouais, je sais pas pourquoi, mais. Explorer grotte tombeau de mes couilles. Là. Non, je vais fabriquer un pistolet en silex. Définir outil actif. Une faucille. Définir outil actif. Il y a la pêche en bois, il me faut des fibres. Bon bah. Alors c'est là-dedans sur ce petit bateau là. Allez, j'y vais. Pas la taille du bateau qui compte. Ah, vous les garçons, tous pareil. Frégate. Alors. À chaque fois que je farbe un truc, ça me rappelle l'époque de Pokémon où je m'étais dit. Je fais Pokémon argent et dès que je chope un Pokémon, tant que j'ai pas quitté les hautes herbes, il a pas gagné un niveau. Donc je te raconte pas que première ville, j'étais déjà avec ma. Oui, mais je faisais ça aussi. Mon évolution. J'étais heureux. Ouais, c'est bon. Ah ouais, non, mais c'est tellement bien là. Au plus mal qu'on était sur un serveur faible. Hein. Au pire. Oui. Non, et puis même, ça permettra de jouer quand on veut, tu vois, parce que. Oui, moi, j'avoue, me connecter le soir après le taf et de devoir me connecter en arrivant. Surtout ouais, que j'ai eu deux décos hein, sur le serveur. Tu sais, quand tu le serveur, tu m'as dit que sur quel serveur t'étais, je me connecte et tout. Et en fait, deux fois, j'ai relancé le truc parce qu'en fait, il faisait une erreur. Et surtout, je comprenais pas la logique. C'était marqué qu'il y avait 3000 joueurs en attente, je me connecte, ça met qu'il reste. Je suis à 1300. Je comprenais pas trop la logique. Non, mais après, je crois qu'il y en a des mecs aussi. J'ai eu un souci. J'étais à 100 joueurs, première fois que je joue, tu vois. Et
Et puis d'un coup, je passe, ça me déco, donc je relance et ça me passe à 400. J'étais en mode bah yes. Donc je t'avoue que ouais, la stabilité, encore in-game, la stabilité, ouais, elle est bien, mais après. Et encore, hein, c'est vrai que autant hier c'était le bordel, autant là, tu joues quoi. Je veux dire, il y a des jeux, je me souviens de Diablo 3 ou autre, enfin je me souviens, c'était tu pouvais pas jouer en fait. Oui, clairement. Il n'y a pas des plantes là. Alors attends, qu'est-ce que j'ai découvert? Ah, on peut pas utiliser la carte avec le ZQSD, j'aime bien ça. Je trouve ça. Grotte du torrent de l'aube. Tant bien, j'habite les aubes. Il y a un mec dans le chat qui a fait Amir Roll, bonne chance pour vos métiers. Ouais, merci. Quoi ? Non, parce que j'avais augmenté tous mes métiers, moi, du coup, dans l'autre, c'est tous niveau 20. Ah oui, ouais, après. Oh non, mais ça, je m'en fous, quoi. C'est pas Cédric qui voulait le prendre aussi, le jeu ? Ah si, mais bon, j'ai pas de nouvelles. On va voir des photos des cours où il était ce matin, par ça. C'est pour ça que je l'ai insulté là, je me suis dit il va peut-être apparaître. C'est comme l'autre là, faut dire, son nom trois fois devant le miroir. Toulou ? Non. Tu trouves pas qu'il y a un petit côté que Toulou toi du coup ? Quoi dans le jeu ? Ouais. Ouais. Ouais, t'as pas l'air convaincu. Ouais, oh, pour l'instant, si ça te fait plaisir. Ça me fait plus penser à Dark Souls version colonisation, quoi, mais. Après, j'ai pas vu de monstres, rien. Je sais pas s'il y a des monstres dans le jeu, j'en ai aucune idée. Hein. Là, pour l'instant, je tape des squelettes, enfin des morts vivants, donc je me dis. Ah, c'est surtout avec l'histoire de corruption et tout ça là. Ah, ça. Ce bruit quand tu coupes un arbre là, c'est beau. Hop, salut l'arbre. Merci. Un arc, chouette, ouais, cool. Et reward, arc en bois traité. L'altération, c'est ça. Est-ce que l'altération surgit des ténèbres de l'âme ou est-elle un but propre? J'en sais rien. Vous avez 3 heures. Alors, comment je mets mon arc? Je suis en train de lui péter la membrane. J'ai pas de flèches. Non. Il faut que tu les équipes. Merde. Cartouche en fer. Tu les crées tes flèches, c'est ça? Ah, tu peux les créer, mais. Flèche en silex. Regarde, il faut des plumes. Oh lolo. J'en ai pas moi.
écoute, Jean-Michel, t'aurais pas des plus subsiste dans la grotte marine, mais restez sur vos gardes. Je vais rester ici au cas où d'autres survivants échoueraient. Ah, c'est bon, j'ai eu des flèches. Par contre, le changement d'arme sur 1-2 et après le soin sur 3-4, c'est assez bizarre. Hein. Ouais, c'est perturbant. Ouais. Mais c'est pas un jeu hyper nerveux, donc bon. Quand on se retrouve là. On voit trop qu'on est dans la zone de tuto là. Alors les gars, vous avez pas une robe comme moi, elle est belle ma robe hein. De jalouse. Ok, de la pêche aussi. La pêche c'est tranquille. Écoute, pour l'instant je m'amuse, principal. Tant mieux. J'ai pas l'impression. Alors moi il y a un truc auquel j'ai du mal. Ça c'est perso. C'est si tu joues à un jeu français, pourquoi tu cherches à mettre un nom de ta guilde, un nom anglais? C'est pour l'exportation internationale, monsieur. Je l'ai fait, hein, je l'ai fait, genre les Dark Angel ou un truc tel. Ah non, moi je pas. Cool. Non mais quand j'étais sur Dofus ou machin. Moi, quand sur Guild Wars, on avait une guilde qui s'appelait Ephedra, mais je crois que c'est une plante hallucinogène. Ah bah bravo. Ouais, donc vous appelez drogué. Moi c'était original, oui. Au moins la moitié facilement. C'est pas moi qui ai fait le groupe, hein. Moi, c'était, j'étais invité. J'étais jeune, tu sais, je fumais pas de drogue. Oh, le mec, tout de suite. C'est pas moi. Hein. C'est pas moi, c'est lui. Ah, c'est pas moi. Hein. Vendu. Twitch, c'est pas moi. C'est pas moi qui prends de la plante hallucinogène. De toute façon, vu que. Pour l'instant, mon objectif, c'est d'avoir 50 follow et que c'est pas prêt d'arriver, je risque pas grand-chose sur Twitch pour le moment, je pense, j'ai l'impression. Oh, je pense que tu peux même sortir ta bite et faire hélicoptère. Non, non, les bites, non, c'est direct. Je pense qu'ils ont un radar à bite. Ah. Merci Mimi d'aller faire caca. T'en prie. Ouais. Chat va faire caca, si. Je viens de lui refaire la litière en plus là, à la baptiser. S'il y a que ça pour te faire plaisir, je peux aller chier dans le salon. Écoute, je peux te dire un truc, c'est qu'au boulot, on a rentré des DVD avec du caca. Voilà, je peux pas en dire plus. Oh, attends, t'as trop dit. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Attends, il y avait des DVD, il y avait du caca dedans ou dessus? Non, pas du caca dans le DVD, enfin c'était... Ah, c'était un film scato. C'est le thème du DVD, voilà. Ah, d'accord. Voilà. Alors, il n'y a pas de mal, hein, de temps en temps, une bonne gastro et hop, la libido repart. Le caca, c'est délicieux. Dites-moi, Paul. Ah, c'est bon, il y a un Gérald de Rive en face de moi, c'est bon, c'est un jeu, c'est MMO top tier. Attends, moi, c'était dans Final Fantasy, Final Fantasy XIV. Tu sais, t'as une race qui est vachement balèze et tout, archi grande et tout. Le mec, il avait mis tout vert et il se baladait à poil, c'est avec juste un petit short. Il avait la paix une avec 8 U. Qui s'emmerde, quoi. Ah ouais, mais c'était génial. Ah, moi, je prenais des noms hyper dark quand je jouais à Guild Wars des fois. Et j'avais mon pseudo, Chaperon Rouge, qui cassait un peu tout ça. Ah là là. Ouais, qu'est-ce que tu veux. On était jeunes. Dark Sasuke. Ah, ça c'est pas ma génération, putain. Dark Sasuke, c'est plus la vôtre. Ça j'en ai pas fait. J'ai déjà appelé les personnages comme des gars de Naruto. Mais tu vois, je préfère prendre des auteurs de manga que j'aime bien. Oui, c'est sûr. Berserk, moi j'avais mis. Mais j'avais cherché une autre façon d'appeler Berserk, alors j'avais cherché sur internet et j'étais tombé sur un site où ils expliquaient les guerriers du Nord, Berserk, et ça s'écrivait avec des E, avec des points, etc. Ouais, j'avais fait un tout truc. Genre, écoutez, ouais, j'ai le même pseudo que tout le monde, mais je me suis informé. Non, moi j'avais appelé un personnage, c'était sur Guild Wars, je crois justement, mon guerrier, je l'avais appelé Kentaro.
En l'hommage de Kentaro Miura. Ouais. Putain, il est mort jeune. Hein. Chier. Ah oh, bah il doit être toujours sur le serve, hein, le personnage. Putain, ça pue, merci Pixie. Oh la vache. J'ai envie de parler de caca pour que ça apparaisse, quoi. Attends, Cédric, il va arriver du coup. Ah ouais, c'est pas faux. Putain, c'est quoi l'aumônie altérée, ça? Putain, on est en train de le fumer direct. Allez! C'est qui les gamers? Oh! Ah, t'as eu un orgasme? Oh non, c'est un perso qui gueule comme ça, il fait. Oh! Ah, oh, j'ai eu de la cannelle. Et de la nette. Ah, oh, je vais pouvoir faire des bons petits plats, moi. Mmh. 30 ans d'évolution sur le jeu vidéo pour choper de la nette et de la cannelle. Ah, par contre, j'ai les articulations qui sont toutes raides. En jeu ou en vrai? En vrai. Assez d'exercice. Ah, je suis passé niveau 6. Et j'ai encore de la cannelle. Elles sont où les flèches là-dedans? Ah, bâton de feu. Voilà. J'ai mon bâton de feu. Oh, y a un mec qui s'appelle Fenrir avec. Oh. Oh, j'ai mal à mon orthographe, quoi. Même moi qui suis pas très bon, j'aurais pas fait cette faute. D'ailleurs, tu vas le faire. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Tu vas le faire God of War quand il sera sur PC? Oh, bah, obligé. Ouais. Ah, bah, si jamais tu veux le faire en stream, c'est. Ah, oh non, mais je le ferai, je pense. Castagne, moi j'aime ça la castagne. La bagarre. Ah putain, j'avais vu un mec qui m'avait fait taper une barre. Il avait fait une, il a fait un personnage avec une iroquoise et une grosse beubara. Non, je me suis trompé. Attends, putain, je m'embrouille sur l'inventaire. Alors l'arc. Alors je dois revoir Tahir Fayed. J'arrive Tahir. On dirait le nom d'un joueur de foot. Ah, j'avoue. Te dis d'aller dans quelle ville toi après? Oui, attends, je suis pas la Tahir, là-bas j'arrive, je pense que. Bah, de toute façon, il y a qu'une ville sur cette map. Il y a la colonie. Non, y a... Ah non, il y a des y a petites plein villes. De villes. Oui, ah mais toi t'es à. Ah oui, toi t'es à Gré du Vent. Moi, ils me disent d'aller à la colonie de Levant. Oh, en gros, il y a une zone tuto solo quoi, en gros. Oui, mais apparemment, il y a plusieurs zones tuto. Espadon en bois, pas faire grand chose pour moi. J'avais pingé avec une synapse. Bien, on peut dire purger l'altération, pas grand chose, oui, et j'espère que vous en profiterez pour prendre un peu de. En tout cas, ça prouve encore que sortir un MMO à l'heure actuelle, c'est vraiment un truc de gros studio, hein, parce qu'en tant que petit studio, tu peux pas sortir des trucs pareils, quoi.
Ouais, mais c'est, tu vois, c'est, il y a quelques années, il y a plein de personnes qui disaient, ouais, le MMO est mort et tout, machin. Et non, pas du tout. Mais le MMO, il évolue, c'est tout. Enfin, regarde, ouais. Moi, perso, là, j'avais déjà rejoué à Warcraft quand il y avait la version classique. Je me faisais vachement chier, quand même. Enfin. Bah oui, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on n'est pas du tout habitué à ça. Ah ouais. On n'est plus habitué à ça, tu vois, les MMO, en fait, pour moi, c'est vraiment faut trouver quelque chose de renouveau sur les MMO pour sortir. Et là, c'est ça, d'aujourd'hui. Au final, c'est que ça renouvelle rien, ça renouvelle pas le jeu vidéo en global, hein. Mais ça te permet de te dire, bah, au lieu de jouer à un MMO où tu appuies sur tes sorts, tu sais, t'as une barre de sort sans fin. Là. Oui. Moi, les MMO, ça me rend fou, ça. Les barres de sort où t'en as partout sur l'écran, oh, ça me fait péter un câble, quoi. Ouais, moi aussi, c'est, tu sais, je dois faire des combinaisons de touches incroyables. T'as l'impression de faire du DDR, mage, machin. Dance Revolution, là. Non, c'est bon. Et là, tu vois, là, j'ai vu qu'il y avait 3 sorts par arme et que tu pouvais switcher d'arme. J'ai dit, c'est pas mal, ça. Parce que, ouais, et c'est voilà, tout pareil. Il y a beaucoup de gens qui voient les MMO comme quelque chose. Alors, est-ce qu'un bon MMO, c'est un jeu que je peux jouer pendant 5 ans? Non, moi, je le vois pas comme ça. Je vais faire le tour du jeu et si je m'en suis amusé et tout, voilà. Et si j'ai acheté le jeu 40 balles, je passe une centaine d'heures dessus, au bout d'un moment, je me lasse, bah, c'est pas grave, quoi. Tu vois, c'est pas. Bon, après, 100 heures, ça me paraît peu, mais. Non, mais tu vois, moi, c'est vraiment le MMO, c'est. C'est vraiment, est-ce que je vais me taper des barres avec mes potes? Oui, non, oui, c'est un bon, non, c'est de la merde. Tu vois, si ouais, jamais je dois, toi, pour un MMO, pour m'amuser, entre guillemets, pour passer quelque chose, tu vois, je dois passer 28 heures à regarder des tutos, des machins, des bordels, des trucs. Ouais, mais c'est ça le problème. Ça me fait chier. Alors que si jamais ils me disent, tu sais, tu peux le passer, mais c'est difficile et tout, t'en chies, machin, ouais. Et après, bien sûr, tu dois t'investir, si tu veux passer le niveau supérieur, machin, mais si pour faire un truc de base, je suis obligé de regarder 50 000 tutos de... Il y a un mec là, Apples O, il est penché le mec, il est en mode, bonjour, je donne des quêtes, penché. Ah, si tu veux, tu peux appuyer sur W, tu te couches au sol. Ah putain, attends, vas-y, fais voir. Mais quel intérêt? Bah, non, mais vu que c'est un jeu PVP, je pense que c'est pour te cacher dans les forêts. Ah genre ouais, on va attaquer le village, mettez-vous tous à terre, quoi. Voilà, en mode guet-apens. Bah, c'est ce qu'ils avaient fait justement, j'avais regardé un best-of de ce jeu là et c'est ce qu'ils avaient fait avec Moment, Kenny, Zerator et tout. Ouais. Ils avaient fait ça, ils étaient tous mis dans un truc, il y avait un gars qui attendait au milieu, du coup tout, l'espèce de bus, tu sais, le bus PVP de l'autre équipe, il est arrivé pour attaquer le gars en solo et ils sont tous levés d'un coup, ils les ont défoncés. J'étais en mode, ça c'est stylé, tu vois, faire des guet-apens comme ça, c'est... Bah, moi, franchement, je te dis, je suis pas fan de PVP, mais dans le sens, j'aime bien jouer à Valorant, tu vois, parce qu'on est 5 contre 5, il y a un côté, tu sais, c'est quand même assez pépère, Valorant, c'est pas Overwatch, tu vois. Mais par contre, tu vois, ce côté zone ouverte qui va évoluer, tu sais, c'est toujours intéressant de se dire, je vais vivre, ouais, un petit peu un truc, tu vois. Non, et puis, juste un truc, te dire, ah oh bah putain, eux, ils ont pris cette ville... Moi, vas-y, viens, on organise une attaque. Tu sais que dans ce coin-là, ça va organiser une attaque. Donc, vas-y, je vais aller les voir, savoir si tu peux faire partie et tout. Et puis, il y a un côté aussi que moi, j'ai plus dans les MMO, c'est juste le fait de communiquer. Alors, j'aime pas communiquer en règle générale, mais des fois, je me dis, ça peut être cool justement sur un jeu où vraiment, tant que l'ambiance tourne autour de ça. Tant que ça demande pas que ça, c'est-à-dire que tu sais que tu peux rentrer dans un groupe, aider les gens qui t'aident aussi. Et que derrière, tu vois, j'ai pas forcément envie de m'investir. J'ai pas le temps de m'investir dans une guilde. Oui, bien sûr. Tu vois, voilà. Parce que moi, le problème des guildes, souvent, c'est ouais, tu vois, pas sérieux, s'abstenir. Et ok, c'est pas une relation de couple, hein, je veux dire. Oui, voilà. Ouais. C'est. Oublie pas que quand t'as un certain âge, enfin, encore, je dis des conneries. Hein, c'est-à-dire que passer à un moment, des fois, t'as plus le temps de t'investir autant. T'as envie d'essayer de trouver un équilibre. Non, et puis même, t'as juste envie, des fois, d'arriver sur le jeu et de t'amuser. C'est bon. Pas être en mode. Ouais, je vais pendant 3 semaines, on va prévoir un truc, un machin. Non, j'ai envie d'arriver, on rigole les gars. Vous êtes disponible jeudi en 8? Attendez, je regarde mon agenda. Ah putain. Je suis en train de battre un boss qui s'appelle Galture le Féroce. Ah, ils sont gros les sangliers quand même dans la région. Hein. Parce que moi qui habite le sud, ils sont pas aussi gros. Non, c'est les sangliers de Corse, ça. Ah putain, mais quel crevard, quoi. Il fait piquer, c'est ça.
Ah, c'est long le sanglier à récupérer. Ah, j'ai eu des choux-fleurs. Des appâts au fromage. C'est un boss, ça. Je vais t'aider, mon pote. Et un sanglier boss, il était beau. Ah, il était pas avec une crinière blanche. T'es Hébert le Sombre. Si, si, Hébert le Sombre. Ah, bah je viens juste de le faire de mon côté aussi. Il s'appelait aussi Hébert le Sombre. Non, il s'appelait. Merde, j'ai oublié son nom. Bah tant pis. Merdex TV. Attends, mais ça veut dire que toi t'es. T'étais ici. D'accord. Ah, je suis passé niveau 7. Dans ce coup, ce bordel, elle est où ma robe? Et puis surtout, il y a un truc que Zerator a dit que je trouvais intéressant, c'est l'ouverture d'un jeu. La communauté qui est en général assez, qui joue assez le jeu, etc., avant de devenir un peu, tu sais, ouais, n'importe quoi. Un peu toxique, un peu. Voilà, c'est ça. Mais surtout, ouais, non, mais être toxique dans un jeu comme ça, je trouve ça assez ouf quand même. Action sociale entre joueurs. Je veux bien, mais oh, putain, il... les beaufs dans le chat. Moi, je dis ça, mais j'ai fait la blague tout à l'heure. Je l'ai mis vraiment le chat, je l'ai viré. J'ai mis que du groupe. Non, moi j'aime bien parce que des fois il y a des blagues drôles qui passent. Ouais, ça, mais des fois c'est pas toujours le cas. Et moi j'ai. Ah oui. T'as des mecs qui mettent leur avis, on s'en passerait bien, tu vois. Mais il est où le mec à qui je dois rendre la quête là, monsieur? Oh, pardon. Le Rototo Stream. J'ai soif. Elle a la bouteille. Je vais me coucher pendant que je bois. Hop, il ne verra pas le sanglier. Mimi, t'as fait caca? Il y a un mec qui s'est appelé Lionel Jospin sur le jeu. Donc, il s'appelle pas Lionel Lospin. Je connais un mec. Ça aurait été stream... plus drôle. Mais il y a un mec en stream sur Usul, je crois, qui s'appelle Lionel Lospin. Ça m'a toujours fait marrer. C'est trop con parce que t'as juste à changer deux lettres. Mais... Alors, il est où ce monsieur? 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 Il y a un mec qui s'appelle Torse Poil le Barba. Ah, une dinde. Ah pardon, un dindon. Ah bah cool, elle est morte. Yeri, il y aura de la dinde, oui, pour ce soir. Ah, une dinde. Et les dindons, c'est dangereux, faut faire gaffe. On parle pas assez. Il y a un mec qui fait merci, merci. Eh bien en fait, le mec il est en train de signer tous ses messages dans le chat par Lionel Jospin. Il y en a un qui fait ah bonjour Lionel, et l'autre il lui répond je vous en prie Uther Martian. Faut que je hashtag Lionel Jospin. Faut que je remette juste pour ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Le oh, bivouac, putain, ça se débloque après, c'est ça? Où peut-on trouver les fibres? Chez Orange. Voilà ce qu'il y a dans le chat. Oh, je pense qu'il y a des mecs qui achètent les jeux juste pour ça. Je suis sûr qu'il y a des mecs qui jouent presque pas au jeu. Hein, le bivouac, on le débloque ensuite? C'est pas de suite là que tu débloques le bivouac? Non, il faut le craft, je crois. Ah bon? Je sais plus comment. Ah, mais... Alors attends, je dois aller là-bas. Alors je trouve ça assez cool que l'exploration, c'est tu vois un point d'interrogation sur ta map, ça sur le haut et t'y vas quoi.
C'est, ça change un peu des MMO où tu mets ta carte en disant allez c'est bon je vais là. Exploit débloqué si c'est pittoresque. Ah, je suis arrivé en ville. Franck X. Quand on arrive en ville. Par contre le nombre de bivouacs par terre c'est normal ou les mecs ont pété un câble? Non, c'est qu'en fait ça, c'est pour une quête. Du coup bah tu sors, tu poses ton bivouac et voilà. C'est ça qui est dommage, c'est. Ouais, t'as l'impression que tout le monde a chié par terre quoi. Ouais, c'est dégueulasse. On arrive en ville. Les gens sortent de campagne. Putain, Elsa m'envoie que des trucs drôles depuis tout à l'heure. Je vais essayer de le mettre sur le chat, attends. Elle m'envoie des vidéos drôles de Reddit depuis tout à l'heure, ça me fait marrer. Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Ah t'as faim, putain, je sens que t'as faim. Tu t'es assise trop bien et tout, t'es toute propette. Un dindon. Oh putain le dindon. Attends, il y a un truc, ça me fait rire. Viens là le dindon. Viens là. Viens là le dindon. Viens là le dindon. J'ai mis les deux trucs sur. Si tu vas regarder, c'est drôle. Oui mon chat, tu vas avoir à manger. Mais t'as à manger. Il est où le dindon? Mais t'as à manger. Voilà, dindon sauvage. Viens là ma grosse dinde. Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Tu reviens à manger? Moi je t'en remets si tu veux, mais bon. Quand elle fait ça, c'est qu'elle a besoin d'attention aussi, je la connais. Hein, ma... Ah, la saligote. Hein, Mimi? Hein, Mimi? Qu'est-ce que tu veux? T'as pas faim en fait, surtout que t'as encore de la boue, tu veux juste que je te fasse des mamours, hein? Hein? Je vais faire de la SMR ronronnage. Rondement de chat. Ça ronronne, mais ça ronronne, mon chien. Non. Allez. Excuse-moi, j'ai une quête à rendre. Sur la bague. Vas-y, rends ta quête. Non, je parlais au chat. On peut acheter une maison? Apparemment. C'est trop bien. Moi, s'il y a du housing, c'est bon, vous m'avez perdu. Ah, c'est ça. Bon, les gars, vous allez mettre le cadre là, l'étagère, vous la mettez... Attends, il y a un mec qui vient de poser une question à Lionel Jospa et il a répondu « J'ai un devoir de réserve dû à mes fonctions de Premier ministre, je ne me prononcerai donc pas sur le sujet. » Oh putain, génial. Oh putain de merde. Eh, c'est pas Lionel Jospa, c'est pas pendant Lionel Jospa qu'on a eu les 35 heures? Je crois que si. Oh alors là. Ah si, ouais, c'est vrai que t'es un peu plus jeune que moi. Et ouais mon gars. Grâce au gouvernement cet homme-là qu'on a eu les 35 heures, monsieur. Sinon, avant, on travaillait 39 heures. Tu te rends compte, 39 heures? Bah, c'est ce que moi, je faisais 42 heures avec Cédric quand on bossait à Astérix. Ouais. Et t'avais l'impression que c'était mieux de bosser 42 heures? Ah, non, monsieur. Non. Putain, je suis à 30 images secondes en ville, là. Putain, le jeu, il est en mode... Bon, ça a toujours été le cas dans tous les MMO, mais bon. On arrive en ville. Attends, il est censé être là. Bon, je vais peut-être mourir. Je peux éviter de mourir en stream, par contre. Ça me rend responsable s'il se passe un truc. Parce qu'on me dit que là, apparemment, il y a une quête, mais... Elle est où la quête? Ah, il est là-bas. Je me fais Hagar. Ah oui, si tu veux améliorer la ville, c'est 500 000 pièces. Ah ouais. Ouais. Ok, d'accord. Allez, salut. Oui, mais à part, tu peux te mettre à plusieurs pour le faire. J'aime beaucoup quand tu veux prendre une quête et que le mec, tu lui parles, mais tu vois même pas parce qu'il y a plein de gens devant. Niveau sexe 7. C'est un vieil ermite. La montagne. Écoutez, j'en ai rien à foutre, monsieur. L'altération peut bien. Nous n'en ferons qu'une bouchée. Vous êtes chez vous à gré du vent, camarade. Où est-ce qu'elle est l'autre truffe?
Elle est là-bas. Putain, arrêtez de me spammer là, je sais pas quoi faire. Ah bah nickel, je les ai tous. Peut-être augmenter un peu la dextérité par contre. Attends. Chète, épée, bouclier. Il y a une limite sur tout ton perso, il y a une limite en fait. Ça c'est plutôt cool quand même. Comment ça, une limite? Bah, ta barre elle peut être remplie au max, tout ton perso peut être maxé partout dans tous les trucs. Je pense pas que tu puisses le maxer partout. Ah, faut que j'en ramasse 5, putain, quel con. Je suis parti en ramasser que 3. Ouais, c'est vrai que t'es con. Ouais. Et puis moi, je me souviens, j'avais joué au début, mais j'étais un peu paumé hein, quand même. Sur WoW ? Ouais. Ouais, bah le problème, c'est que maintenant, si t'as pas quelqu'un pour t'expliquer, ou tu vois, c'est... Alors, je suis censé faire quoi ? Parler à Diptychorapathy. Alors, Diptychorapathy... Pourquoi on s'est pas encore vu, là ? Ça me saoule. Ouais, mais on n'est pas dans la même ville. C'est dégueulasse. Non, mais je pense, choisis ta... Une fois que t'auras choisi ta faction, on pourra aller dans la même ville. Et c'est quoi le mieux de toute façon, comme faction, en fait ? T'as une idée, toi ? Moi, j'ai pris les verts, parce qu'en fait, les... les jaunes, c'est un peu des religieux... tu sais, c'est un peu genre les croisades. Ouais, déjà, ça, c'est mort. Et les rouges, et les violets, c'est un peu des gars occultes, bizarres, sataniques. Et les verts, ils étaient en mode, bah nous, tu prouves tes... Tu sais, c'est bah, vraiment barbare, quoi. Tu prouves tes trucs au combat et tu deviendras fort chez nous, quoi. Ah oh ouais, truc basique, moi j'aime bien. Non, mais de toute façon, oui. Ça fait quoi de fabriquer du bois d'œuvre ? C'est un intérêt ou... Aucune idée. Ça doit faire augmenter ton niveau de... J'allais dire, ton niveau de créatine. Ok, d'accord. Ok, Dr. House. Vous avez un lupus. Ah merde, putain. Moi, j'étais juste sur file d'attente, j'avais rien demandé. J'avais juste une écharpe dans le doigt. Ah, c'était affreux, ça, Dr. House, pour ça. Moi j'adorais Dr. House. Ah mais moi aussi, c'est une série, je m'étais même fait un cosplay Dr. House pour une soirée. J'avais commandé une petite boîte sur internet de capsules de cachets qu'ils prenaient. Bon c'était des bonbons sucrés hein, dedans, c'était pas... Mais c'est vrai. Non je me suis vraiment drogué pour la soirée, je joue mon personnage jusqu'au bout. Non, j'ai picolé mais je me suis pas drogué. Alors. Est-ce qu'il y a un feu quelque part? Putain je suis un peu paumé là par contre en ville, c'est assez violent. Ouais, tous les ville, gens qui courent partout là, ouf. Le mec il était agoraphobe dans le jeu. Ah ouh, c'est possible. Mais non, alors vu mon boulot, je le suis pas, mais des fois j'ai juste pas envie quoi, tu vois. Alors c'est quoi les réputations de territoire là? Ça vaut le coup? Alors, attends. Oh un lapin. Hop, appuie le lapin. Le lapin il est mouru. Ah, tu choisis un truc. Ah, augmenter le rangement. Mais carrément, mon gars. Bonjour et bienvenue à Gré du Vent. C'est toujours un plaisir de voir des visiteurs. De nouveaux résidents. Là, par contre, faut que je me soigne. Là, j'ai 80 points de vie. Mimi ! J'espère qu'il nous reviendra bientôt. J'imagine que j'en ai plus 79. Alors, tac, terminer la quéquette. Ah bah si tu finis la quéquette alors... Écoutez, le stream va passer en plus 18. Cela ne sert à rien de se presser. Oh oui, bien sûr, mais pour l'heure, vous feriez mieux de vous soucier de vous-même. Vous avez sûrement besoin de repos. Il y a des mecs qui ont des armures, j'ai l'impression qu'ils ont des armures endgame quoi déjà. Non, c'est les armures que tu peux avoir grâce à Twitch. Les armures en or là. Ah oui, oh non, mais je mets pas ça. Moi je les ai débloqués pour rigoler, tu vois, parce que histoire de les avoir, mais ça a l'air moche quand même. Je te conseille le plug à balle violet, il tape fort. What? C'est Lionel Lospin qui propose ça ou... Non, c'est Spooky. Par contre, si Lionel Jospin il fait une guild, moi je vais en être dedans. Hein. Ouais, mais non, ça va être trop mainstream.
Ah, ce serait tellement drôle. T'imagines, le jeu se transforme en... Genre, t'as genre les verts, c'est les écolos. Mélenchon, il est violet, tu sais. Et c'est quoi l'autre couleur? Les bleus, c'est ça? C'est... Non, t'as vert, violet et jaune. Et jaune, mais jaune, on dit que c'est les républicains, tu vois. Oh, le bordel que ce serait. Ah, je sais pas si t'as vu que t'avais une réserve dans la ville. Ouais, ouais, mais t'inquiète, franchement, je prends mon temps. Hein. J'y vais vraiment pépère. Ouais, mais moi, en fait, je mets toutes mes... Écoute, t'as 4 heures de jeu d'avance. Hein. Fais pas le malin. Oh, putain, nickel, je viens de l'avoir. J'ai hâte que tu travailles. T'auras beaucoup moins de temps pour y jouer, monsieur. Ouais, je marche. Ah, parce que je suis plein. C'est quoi, quand tu t'enregistres à l'auberge, de retourner ou réapparaître à cette auberge depuis n'importe quel endroit de ce monde. Chouette! C'est un point de réapparition, quoi. J'aime bien les intérieurs dans les MMO, moi. C'est pour ça que s'il y a du housing, je suis mort. Écoute, tu nous feras une petite maison sympa, hein? Ouais, mais ça, tu vois, j'aime bien dans les MMO. Tu sais, justement, tu fais ta guilde, tu peux avoir, genre une maison de guilde et tout ça, je kiffe. Et de toute façon, j'ai l'impression que les mecs, ils ont un peu, enfin, entre les combats qui ressemblent un peu à Dark Souls, enfin, tu vois, ou à Risen, les anciens actions RPG, là, entre le côté Albion Online, tu sais, avec le côté, les serveurs s'autorégulent eux-mêmes par la communauté, etc. Plus, enfin, là, tu peux acheter ta baraque, si j'ai bien compris, donc forcément, tu vas pouvoir... Enfin, traîner dessus. Le but, j'ai l'impression qu'ils ont fait un jeu. Le but, c'est de traîner dedans, quoi. Tu vois, c'est... Ouais. Mais traîner dedans moderne, quoi. Pas à façon d'un MMO. D'un MMO, tu sais, où tu fais tes quêtes. Ah, par contre, je t'invite à les armes que tu utilises plus et les trucs de ton stuff. Ah, recycle. Allez, exactement. Je suis un mec qui recycle même dans la vie, donc t'inquiète pas. Ouais, en fait, pour réparer ton stuff, peut-être c'est pas tu vas avoir un PNJ, c'est toi-même qui le fait. Et du coup, tu dois avoir des trucs de... T'es un mec avec plein de talent, quoi. Je viens de croiser ton sosie, là. Ah bon? Ouais, le mec, il est comme moi, il s'est pas emmerdé, quoi. Il a fait OK, suivant. Une petite église. Il n'y a pas grand monde à l'église, étonnamment. Mesdames et messieurs! Ouvrir le comptoir. Le marché. Commercer. C'est quoi ça, un hôtel des ventes, ce truc? Ouais, c'est ça. Ok. Salut. Alors, un abri de rangement, j'ai vu à peu près à quoi ça ressemblait. Une espèce de grosse, on dirait des toilettes. De grosses toilettes. Oui. J'ai parlé à la sœur de James Bond. Elle s'appelle Gladys. Gladys Bond. Oh, génial. J'avais une paire de bottes sans, j'en mets une sans. Hein. Ok. Il y a un chapeau. D'accord, quand tu mets une chemise, ça te met un pantalon automatiquement. Ok. Ah non, c'est moi qui dis de la merde. Non, j'avais bien un pantalon. Elle est que nue, elle est que nue, elle est que nue. Ah, on peut être en slip, hein. Ah bah écoute, si tu veux te faire un kiff, vas-y. Écoute, franchement, tu l'as vu le slip au moins? T'as essayé? Non. Regarde, vraiment, ça vaut le détour. Hein. Franchement, tu t'attends pas à ça. Alors voyons voir. Enlève juste le futal, tu vas comprendre. Oh, le beau slip. Oh, la belle bête. Oh là. Oh, le bestiau. Oh,
Les gars, il avait pas assez de tissu pour faire le tour correctement. Ah putain. Ouvrir un abri de rangement. Je veux bien, mais il est où? Bah c'est le truc qui ressemble à des chiottes là. Bah ouais, mais attends. Je me paume un peu dans le jeu. Les joueurs qui courent partout. Ah, c'est ça. Bonjour, c'est ici les toilettes? Et à quoi, qu'est-ce que tu veux que je mette dedans? Il n'y a rien pour l'instant. Ah, le bois, tout ça, mais il n'y a pas un problème. Oui, moi, j'ai mis tout ce qui était bois et tout. D'accord. Triplure, pièce de tissu. Caillou. Sauce. Caillou. Bon, tout le reste, je sens que ça va recycler. Cartouche en fer, ça se garde, c'est des balles, non? C'est ça, ouais, donc ça je garde. Oui, c'est ça. Vieux biscuit de mer, je garde. Ouais, la bouffe, faut la garder, non? Bah, je pense, ouais. Après, je peux pas les cuisiner, de toute façon. Alors, ça je vais garder. Ok. Je vais tout recycler les trucs qui m'intéressent pas pour le moment. Je mettrais bien un petit mousquet en deuxième arme quand même. Allez, on va tout recycler. On peut recycler vite, il y a une technique. Double clic. Pour recycler, t'appuies sur S. S et clic gauche. Attends, ah oui, tiens, je voulais aller voir s'il n'y a pas des gants à la HV. Tant qu'à faire. Vu que je voulais test. Arme. Arme magique. Okay. Arclet de glace. Ah, il n'y en a aucun. Alors, une question. Ça s'use, les fossiles, les conneries de ce genre? Les fossiles? Ouais, les fossiles, les ah, les oui, ça s'use, oui. T'as une petite barre blanche en dessous. Même tes armes, elles s'usent. D'accord, ok. Bah, je regarde sur moi, alors. Ah, les armes, elles s'usent? Ouais. Je savais pas, on peut les réparer, tu disais, avec R, d'accord. Ok. Alors ensuite, je dois parler à Dipti. J'arrive, Dipti. Dipti malin. Ouais, attends, je vais aller prendre mon Xanax, parce que je l'ai pas encore pris. Ah non, moi j'adore, en plus, il y a un espèce de petit côté... découpage de bois et tout qui est vachement ça, ludique, ouais. Je trouve. Et moi, ça me. Bah, t'as bien l'arbre tombe hein. Déjà quand l'arbre tombe. D'ailleurs, il y avait une question de philosophie que j'avais trouvé très intéressante. J'avais entendu dans une série, c'est est-ce que si un arbre tombe en pleine forêt, mais qu'il n'y a personne pour l'entendre tomber, est-ce que l'arbre fait du bruit? Ah oui, il fait du bruit, mais pas pour toi. Mais du coup, est-ce qu'il fait du bruit? Tout le monde répond, ah bah oui, il fait du bruit. Oui, mais comment tu peux savoir qu'il fait du bruit si personne n'est là pour l'entendre? Tu mets un micro. Mais en plus, sur le principe, ça fait du bruit, vu que, imaginons, quand il y a du vent, il y a du bruit. Si tu mets, tu mets une caméra et un micro quelque part... Oui, mais le principe est qu'il n'y a personne pour l'entendre. Est-ce que du coup il fait du bruit? Parce que le bruit c'est un son que quelqu'un entend. Oui, mais bon. Tu vois, c'est une question philosophique, il n'y a pas vraiment de réponse. Tu t'en fous en plus. Tu ne sauras pas, ça fait du bruit. Ah, Lionel Jospin, un avis sur le Z? Mais hey, Jospin, ça va venir le. Merci à tous et à tous, c'est un délice d'en rencontrer mes électeurs. Quel bel outil de démocratie directe. Bien cordialement, Lionel Jospin. C'est vrai que le mec va rien foutre pendant tout le jeu. Hein. Il est grand temps de nous mettre. Je me demande dans quel. Il y a un mec qui répond c'est le best. Imagine vraiment un jour. T'arrives sur un jeu et tu rencontres un politique. Et tu te tapes, ça devient ton meilleur pote de jeu. Attends, Lionel, merci pour les 35 heures. J'aurais aimé vous accompagner.
Comment foutre la merde. Lionel, tu nous as mis bien avec tes 35 heures. C'est qui Lionel? Le mec, il a 12 ans. Les 30 heures pour... Ah oh, putain. Éventuel tour en... Je suis étonné que t'aies rien dit jusque là, donc je tente quelque chose. Non, parce que j'aime pas trop écrire quand tout le monde voit, parce que mon orthographe... T'inquiète pas. Les gens n'ont pas dû juger. Hein. Oui, les jeux de boules m'amusent au plus haut point, bien cordialement. Même chose. Y'a un mec qui met j'ai un putain de bug, je peux pas attaquer ClickGhost. Écoute, une ça... réponse pour le ClickGhost, monsieur Jospin. Lionel, pourriez-vous arrêter avec vous bien cordialement? J'aimerais qu'il réponde, bien sûr, bien cordialement. Ah, le Z président, là, j'avais pas compris, d'accord. C'est quoi le Z président? C'est Zemmour, en fait. Ah! Ça m'emmerde que ce gars ait la même lettre que moi dans son nom de famille. Ça va partir en vrai, je le sens. Ouais. Yes, ça part. Politique, ça part toujours. Ah, la compagnie Marauder, The Hot Never End, recrute tout francophone. Mais pourquoi tu l'as appelé en anglais, ton truc? Mais oui, c'est pour ça que je te disais ça depuis tout à l'heure, il spam. Voilà, compagnie Zemmouristan. Il est coutume d'un haut fonctionnaire d'utiliser les normes de respect. Je suis navré pour vous, mais heureux pour l'image de votre république. C'est trop fort. Ah putain. Imagine, c'est vraiment Lionel Jospin sur l'île de Ré en train de jouer à New World. Oh putain. Par contre, j'ai un problème. Ah, il faut que je transforme les silex en pierre, non? On peut faire ça ou pas? Oui, tu vas au truc de tailleur de pierre. C'est où le truc de tailleur de pierre? Ah oui. C'est à côté généralement de tous les bordels. Par contre, en fait, ça serait bien s'il n'y avait pas tous ces gens qui courent là. Vous pouvez arrêter de courir, s'il vous plaît? Ça me stresse. Je suis en train de faire de l'agoraphobie. Bon, après, comme j'entends souvent les MMO la première semaine, enfin en général, des fois, les premières semaines, c'est un peu l'enfer en termes de. Et encore là, je trouve que quand même, on peut jouer, ça rame pas, t'es pas déconnecté tous les 5 minutes. Ah non. Et un mec il a répondu, ta gueule Lionel, t'es level 3. Il fait vraiment que ça le mec, il fait campagne quoi. C'est un streamer. Bienvenue à Gré du Vent. Écoute, là c'était un grand moment stream et il y avait personne qui regardait mon stream, je suis un peu triste. Ouais, on a croisé Lionel Jospin. T'aurais dû mettre un New World avec Lionel Jospin. Attends. Je vais changer le titre. Lionel Jospin niveau 3. Lionel Jospin, c'est tout. Écoute, ça sera disponible en replay pour les gens qui s'intéressent de mater un stream de 3 heures. Exploiter des rochers, mais alors, elle est où la carrière de pierre là à utiliser? Bienvenue à Gré du Vent. Regardez sur la carte, j'aime pas faire ça. Mais...
table du tailleur de pierre, c'est derrière moi apparemment. Poste d'équipement, c'est quoi un poste d'équipement? Ah d'accord. Tailleur de pierre. Je peux pas. Non, elle est... Non, non. Faut que j'aille chercher des pierres. Hein. Ah bah oui, oui, il faut que t'aies des pierres déjà. Non, j'ai des silex, je me disais je peux peut-être transformer les silex. Ah. Alors, comment je peux savoir où il y a des pierres dans le coin? Oh bah c'est simple, tu vois un caillou, tu peux le miner. Non mais, genre sur la carte, des fois il t'affiche pas un petit truc. Je crois pas, non. Bien cordialement. Écoute, je m'attendais à un carnage au niveau des connexions et tout, et je suis ravi de voir que je puisse jouer ce soir, quoi. Oh, ma chérie! Pouette, pouette. On joue avec Lionel Jospin. On l'a remercié pour les 35 heures. Et c'était juste ouf. Un grand moment de streaming. Et c'était pas Lionel Jospin comme avec Usul, hein. Ouais, c'est cool le jeu, ouais. Regarde, tu vois, tout ça, c'est des gens qui ont posé des bivouacs par terre. Un peu con. Et du coup, ça fait chier. Pouette, pouette. Il y a Franck avec moi. Enfin, avec moi. Ça fait 2 heures qu'on joue ensemble, mais qu'on peut pas jouer ensemble. Putain. Ça te plairait, chérie? C'est comme Valheim. Non, je t'ai... Attends, tu dis un sur quoi? Oui, non, mais... En fait, il y a un mec qui s'appelle Lionel Jospin dans le jeu, et il parle aux gens. Regarde, l'homophobie n'a pas sa place dans notre république. Regarde le chat, cordialement, Lionel Jospin. Il est niveau 3, hein. C'est un petit Lionel Jospin, quand même. Ah, mais c'est quand même Lionel, quoi. Franchement, c'est génial. Mais ce serait tu drôle vois, qu'il y ait d'autres... Tu vois, à le prendre, le truc, si je l'avais pas pris, tu vois. Et t'aurais pas changé de serveur, t'aurais pas eu ça... Oui, non, mais vaut mieux jouer sur un autre serveur, tu vois. Non, mais pour Lionel Jospin, je te parle. Ah oui. T'aurais pu t'être Zemmour sur un autre serveur et là t'aurais dit off, c'est un peu nul quoi. Mais quand même t'imagines. C'est génial, putain, mais tu sais quoi? J'étais là en train de me motiver à dire putain je vais me créer un perso sur un autre serveur, j'espère qu'avec Franck tu vas pouvoir se rejoindre ou j'espère que je vais pas devoir recréer un perso dans 2 jours. Et rien que ça, tu vois. Je suis très heureux. Oui, non, mais clairement, mais Lionel, il y a quelqu'un derrière vous. Mec archi flippant. Non, mais regarde, il faut que tu lis le chat, chérie, en fait, du jeu. En fait, rien que ça, je pense que ça peut t'occuper. Les commentaires, Lionel Jospin est la star niveau 3 des débutants. Tu vois, fallait activer ton chat. Ah, mais je l'ai remis, hein. Dès que tu m'as dit Lionel Jospin, moi direct, je pensais 35 heures. Est-ce que tu... Ah, chérie, je sais pas si t'as le chat. Y a Elsa qui te fasse le bonjour. Non, j'ai pas de double écran. Oh, bah, tu connais un smartphone? Tu peux mettre que le chat. C'est vachement mieux. Ah ouais, moi, ouais. Tu vois, je sais pas. Bah, bonjour à madame. T'as le salam d'Elsa. Oula. Tu me fais agresser par 2 monstres d'un coup, là. C'est bizarre. 3. Mais c'est quoi ce bordel? Qu'il y a un mec qui m'a aidé parce que. Ah, je suis avec Kim Jin-hoon. Saint-Pedjir. Je peux pas prendre. Oui, ma chérie, regarde le. Ça te plaît là le petit chat juste en bas là, tout. Façon BFM News? C'est discret, hein, j'ai pas voulu mettre un truc trop bordélique. Ah bah super. Tout à l'heure on a fait BFM News, on a mis Flash Info. Merde, c'est un con.
Et après, on a rajouté, j'ai remis Reflash Info, on le savait. C'est pour essayer de l'attirer, mais il est pas venu. Ah, un con. Ça, ça me fait penser au nul. Dans la série, Merdrick, c'est un con. Et pour l'anecdote, chérie. Oui, c'est sûr, ouais, c'est que si tout le monde se met à parler, ça va être l'enfer. Après, mon pic de spectateurs, c'est 2, hein, donc bon, on a le temps. Et qu'est-ce que je disais? On disait que Merdrick c'était un con. Non, mais je crois que c'est pas sur ça que je sais plus, putain. Ah. Mais oui, c'est un con. Bah écoute, il étudie en ce moment pas mal, donc je pense qu'il doit... j'y avais dit, l'école, ça va te fatiguer. Ouais, je pense qu'il doit être... Il m'a dit que c'était cool, par contre. Bon, dommage, il rencontrera pas l'amour de sa vie. Il a quitté l'amour de sa vie. J'ai hâte de jouer avec lui. J'espère qu'il va le prendre quand même, qu'on pourra jouer ensemble. Ouais, ce serait cool. J'ai un peu de mal avec les roulades par contre. Je les trouve assez genre en mode balèque quoi. Ah, le truc qui me dérange, c'est quand t'équipes une hachette. Mais si chérie, hein, tu peux. Hein. De toute façon, on n'a pas 15 sujets de discussion à la minute. Hein. Non, là, on parle de Lionel. Elsa a dit c'est Valet mais en moins pixelisé. Et qui lag moins aussi. Ouais, putain. Attends, je vais juste essayer un truc. Je vais essayer de refaire ce que j'avais fait la dernière fois pour le chat. En fait, j'ai essayé de régler mon truc pour qu'il y ait le moins de latence possible en fait avec entre la vidéo quand je parle et le chat. Et j'ai l'impression que c'est très très chiant. Retard du stream. Ça se trouve, le mec qui jouait Lionel Jospin, il s'est dit putain, faut que je monte un peu en niveau là quand même. Et là, il arrête de parler. Ah, si tu fabriques des armes, elles seront meilleures que ce que t'as déjà. Obligatoirement ? Non, enfin, dans la limite de niveau, mais... ou... Ouais, voilà, ouais. Comme ça, non, mais comme ça. Oh putain, vas-y. Si je fais une phrase méga longue, elle sera coupée et tu pourras peut-être pas la lire. Et alors, ça va être le gros fail du système, je pense. Non, mais chérie, je regarde pas ça, en fait. Moi, j'ai le chat en direct comme une fenêtre Twitch. Hein. J'ai sur le deuxième écran, j'ai tout, t'inquiète pas. Hein. Je vois tout ce que tu mets. Hein. Enfin, j'ai mis le chat là pour les gens que ça intéresse en horizontal. Là. Mais moi, je vois tout, hein, je rate rien. Et tu peux me taguer avec Alt. Hop, tu peux taguer... Ah, tu rigoles parce que tu viens de comprendre. Et oui, tu crois que ça sert à quoi le double écran? Et oui, et donc, et tu peux me taguer quand tu me tires un truc. Et moi, je le vois en brillant d'un coup, en fait, dans le chat. Eh ben, écoute, je passe un bon moment. Ça me donne un côté... Enfin, ça, alors, les joueurs en plus, hein, évidemment, mais ça a un côté, ouais, comme disait Elsa, Valheim, tu vois, tu découvres, tu coupes des trucs, mais t'es pas tout seul. Mais pas tout seul. Allez, je rentre à la maison. Lionel Jospin te dit, là, il est en train de rattraper ses niveaux de retard. Ouais, il y a moyen. C'est quoi le chat, c'est pour tout le monde, chérie? Quand tu dis le chat que j'affiche là en jeu, ou le chat que je lis moi? Parce que... Ah
Ah, mais oui, ça marche. Tu fais voilà ça, et ensuite tu mets mon pseudo, Monsieur Chaff. Regarde, attends. Non, ça marche partout. Hein. Je fais ça, je descends. Logiquement, tu vas le voir en tout blanc, toi, ton pseudo là, dans le chat. Oui, non, mais ça c'est pas grave, tu peux toujours arrêter. Alors, sous Twitch, sur mobile, quand tu appuies deux fois sur l'écran, il y a le chat qui apparaît sur le côté hein, aussi. Je sais pas si tu l'as déjà fait, chérie, tu mets dans le sens de l'écran, pas en mode. Enfin, même dans les deux sens. Si tu cliques deux fois sur l'écran, le chat apparaît, apparaît en transparence. Bon, moi, la fenêtre de jeu est un peu plus petite, mais tu vois tout le chat. Voilà, t'as réussi, tu vois, tu m'as tagué. Moi, je vois en gros en blanc et mon pseudo, en fait. Écoute, le jeu, au début, il chauffait à mort. Et là, une fois qu'il est sur sa lancée, c'est mieux. Je vais aller voir Jean Michemich. En effet, tout à fait. Bon, bah, Lionel Jospin est parti au lit, hein. Et là, on va apprendre que c'est un vieux, mais un jeune gars qui est fan de politique. Bon, écoute, l'interface elle marche bien, mais par contre, je la trouve un peu envahissante. Alors, je sais pas si toi ça fait le même effet, mais. Oui, non, mais. Je parle pas du quand tu joues là, hein, tu vois, mais je parle quand tu fais un truc genre tailleur de pierre, ça te met une grosse fenêtre. Bon, au moins, tu rates rien, mais bon. Fabriquer tannerie cuir brut. Allez, ok, j'y vais. Ça tenterait toi chérie un jeu comme ça? Ouais, vivement demain mon amant. Ouais. Bah dormir en tout cas. Fais un gros bisou à ton. Bonne nuit Elsa. On se voit demain de toute façon. Mon joli loulou. Alors, j'ai un bug avec mon marteau. Je savais que t'allais dire ça. Bof le jeu. J'ai pas de bug avec cette arme. Craft a l'air hyper important dans le jeu, j'ai l'impression. Ouais. Ça, des fois, ça me saoule un peu. Ah, ça a l'air d'être mieux. Après, je te connais, tu feras un tuto. Bisous bisous mon amour, à demain. Ne restez pas là, nous n'avons rien à nous dire. Lionel, est-il vrai que la France est un pays de merde? C'est marrant que le moteur de jeu prend en compte quand tu grimpes, tu peux grimper au-dessus d'une table et tout, il y a une animation et tout. C'est rare de voir ça dans les MMO d'habitude. Oui. Faut qu'ils mettent des phases de plateforme cachées. J'aime bien les phases comme ça. J'ai un bug avec mon marteau. Ça commence bien. Je sais pas, il déconne. Ah, entretien de la ville, chasser alligator. Ouais, ça je l'ai pris la quête. J'ai pris les trois. Tâche que vous y trouverez. À partir de maintenant. Oh, forme. Ah bah je suis mort. Sandris, il n'est jamais bien loin de la forge. Oh la honte, il est mort le mec.
Merde, j'ai pas eu tous les messages de... Ah, voilà. Ça se trouve, c'est Usul qui joue. Il est vrai que cette époque est pleine de challenges, mais la France a affronté toutes sortes de challenges autour de son histoire. La France reste une nation exemplaire. Eh bah putain. Eh, y'a un mec qui met quelqu'un, sait si la migration de serveur est déjà disponible. Enfin, bref. Et c'est... Eh, bah, son pseudo, c'est Zemmour. Non, je t'ai... Dans l'histoire du monde, il faut garder notre esprit français qui nous permettra de nous remonter les manches. Lionel Jospin. Ah, j'en veux plus, putain. En fait, on va découvrir que New World, en fait, c'est un mémo de boomer, tu sais. De ouf. D'ailleurs, la question, je me demandais un truc. Moi, je vois tous les, enfin, les mecs de, enfin, les jeunes, tu vois, que j'ai au magasin et tout, ils jouent tous à des jeux FPS, Warzone et tout. Tu crois qu'il y a des jeunes qui jouent à ce genre de jeu, toi? Ouais, je pense, en vrai, ouais. Peut-être les mecs qui aiment bien les jeux de genre Ark et tout, là. Ouais, non, en vrai, je pense que... Commençons par quelque chose de simple. Que diriez-vous? Je pense qu'il y a plein, il y a beaucoup plus de joueurs qu'on le pense. J'ai assez Alligator. Ouais, je vais faire des quêtes vite fait, là, puis après, je pense que je vais me pioter. Comment on voit où sont les alligators dans ce truc? J'allais te demander, est-ce qu'on tente de se rejoindre, mais bon. Ouais, ça sert à rien si tu veux aller te coucher. Parce que moi, en fait, je voulais avancer jusqu'à, tu sais, avoir... sélectionné ma... Ouais. Je pense qu'il y a des alligators par là. Je vais y aller. On voit sur la carte, moi, ça va. Tu as augmenté quoi toi pour l'instant? Attends, je te dis ça dans deux secondes. La force à 12, la dextérité à 7, la forme à 10. Et puis voilà, après j'ai mis des points. Ok. Essayer de jouer un peu loin, mais on verra. Je ne refuserai pas, je pense peut-être. Respect ou quoi par la suite. Il n'y a qu'une sortie dans le village? Non, il y en a plusieurs. Non, j'ai eu peur. Ah, il y a des toilettes, c'est bien ce que je disais. Là, c'est des toilettes. Ouais, je suis passé niveau 10. Ouais, mais il y a du temps avant de remplir tes trucs, enfin ton inventaire, il faut quand même y aller. Hein. Toujours pas faire de bivouac, je suis un peu déçu. J'avoue que je flâne. Hein, quand même. Ah oui, non, mais moi, mais clairement, mais moi, je m'arrête, je farme des cailloux, des machins. Je pourrais trouver un alligator. Après c'est le bon jeu quand même pour quand tu stream tu peux papoter tranquillou quand même. Ouais. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de MMO en mode chill en général. Ouais mais ça c'est très bien tu vois un petit meuport comme ça tu te fais une petite session. C'est sûr que bon c'est plus compliqué quoi. Alors, je vais couper des arbres. Recherche alliance sérieuse et organisée. Discord, ok. Pas d'alliance déserte, merci. Bah, je prépare mon entretien, hein, pas de soucis. Et juste au-dessus, c'est moi ou ils sont lourds avec leur message de recrutement? Ah ouais, mais ça, c'est bah c'est un des trucs qui me faisait... Attends, je vais peut-être changer. Vas-y, pourquoi j'ai pas le bivouac, moi? Et comment ça, t'as pas le bivouac? Comment on fait pour bivouaquer? Bah t'appuies sur Y. C'est dit que j'ai pas débloqué le bivouac.
Là, toi ? Ta quête en haut, elle te dit quoi ? Ah, récupérer le minerai de fer de la sacoche lourde de votre inventaire. Bah, bravo. Oui, et là, tu vas pouvoir faire une arme. Du coup, tu vas pouvoir te faire... la quête va te demander de faire une épée. Et tu vas pouvoir, après, t'auras suffisamment de matériaux pour faire une autre arme, comme tu veux. Ah, mais j'ai déjà deux armes, c'est pas le problème. C'est bivouac. Comment on fait pour bivouaquer ? J'ai pas déverrouillé le bivouac, ça me suis, t'inquiète. Mais je voulais faire une petite quête secondaire, moi. Ouais, t'as peut-être raison. Je vais peut-être attendre au moins de débloquer. Ouais, ça. Pour l'instant, je suis la quête. Attends d'avoir débloqué ton... T'as comment ? J'allais dire ta congrégation, mais tu sais, ton... Mais tout à fait. Ta faction. Le nombre de bivouacs au sol, c'est n'importe quoi. Ouais. Quoi, c'est une bonne gueule, hein, je trouve. Ouh, la DA est plutôt pas mal. Les bannières, tu sens qu'ils sont dit refaire des bannières un peu à la our, ok. Après, c'est un MMO. Hein. C'est dommage qu'en ville ça rame à ce point-là. Enfin, ça fait chier de tomber à 30 FPS. Moi, j'ai pas de rame. Non, mais de tomber à 30 FPS, hein, je dis pas que ça rame. Ah. Tu sens les ralentissements. Quoi. Je le sens quand t'arrives en ville, tu sens que ça. Mais bon, après, je te dis, dans tous les MMO, même Guild Wars qui a je sais pas combien, qui a un certain âge maintenant, il rame quand même. Il rame. Enfin, tu passes à 30 FPS. Putain, tous les bivouacs ici, c'est n'importe quoi. Oh putain de merde. Tu veux voir vite fait ou pas ? Mais t'inquiète, hein, j'ai la même chose. Oh la vache quoi, mais ils sont fous les gens. Heureusement qu'on peut pas se brûler avec, hein, parce que t'imagines. Oh la merde. À la carte, je suis déçu. J'aime bien utiliser les cartes avec ZQSD. Je sais pas si toi, ça... je trouve ça assez cool. Ah non, moi je. Merde, faut que je retourne en ville, je suis con. Ah oui, hésite pas. Hein. Si jamais tu vas dans une ville pour faire des quêtes, hésite pas à aller visiter les maisons. T'as des coffres. Ouais, mais j'ai trouvé un truc déjà tout à l'heure. Il y a des maisons que tu peux pas visiter, c'est des maisons à acheter apparemment. Faudra que je teste la rapière, voir ce qu'elle vaut. Même si je suis pas fan de ce type d'arme. Les pierres, pour les transformer, t'es obligé de les avoir sur toi, tu peux pas les avoir dans ton abri de rangement. Ah non, si, je crois que ça marche dans ton abri de rangement. Oh, je ramasse des patates. Peut-être que je mette des compétences. J'ai fabriqué plein de charbon comme un débile, j'ai niqué tout le bois que j'avais. Bon, c'est pas grave. Mais j'espère que ça va servir à quelque chose. Je sais pas, le charbon, j'en ai pas créé encore, j'ai pas vu l'utilité.
fabriquer à la forge espadon de fer. Oh, si le jeu avait que des accents, ce serait rigolo. Oh, elle est belle, la double hache en fer. Ah, fais-la toi. Il dit de faire autre chose à la place. Non, mais tu fais l'espadon, après t'auras suffisamment pour te faire... Okay. Je vais la recycler direct. Oh, elle est verte en plus, mec. Elle est insolite. Elle est comme toi. Oh. C'est un mec insolite. C'est même pas bleu, quoi. Ouais, ouais. J'ai le niveau de rareté vert. Merci. T'es vert. T'es vert, hein. T'y attendais pas à celle-là, hein. Jean Bleuguin. Oh, elle est trop bien. Oh là là. Oh, bam, patate. Par contre, pourquoi il n'y a pas d'espadon à deux mains? Je comprends pas. C'est une arme de base, elle y est pas, quoi. Ouais, ça, je sais pas, et ça me frustre. Ah, moi, je vais me faire rembourser, hein. Il semblerait que l'administrateur d'Oti vous ait... Oh, j'imagine, oui. Parfois, on sent qu'on a trouvé l'endroit qui nous convient. Cela peut venir de la météo, d'une occasion quelconque, ou même des gens. Dans mon cas, c'est tout cela à la fois. J'ai le sentiment d'avoir ma place ici. Vous comprenez ? Très bien. Montrez-moi votre travail. J'espère... Hey, montrez-moi l'espadon que vous avez recyclé. Oh, tout ce qui vous permettra d'échapper au froid et à la faim dans la nature. C'est particulièrement pénible de geler sur place. Vous n'avez même pas besoin de parler à quelqu'un. Moi, je pense que je vais finir cette quête et puis après. Je vais pareil. De toute façon, je me suis brossé les dents avant de streamer. Toujours important. Toujours stream. Avant de streamer, se brosser les dents. Peut-être que je me lave jamais les dents le soir, moi, ça. C'est ouf. Je fais une fois le matin, une fois le soir. Je ne fais pas au boulot. Genre. Non, moi, je me les lave le matin et c'est tout, je t'avoue. Puis c'est un gros défaut. Bah, si c'est pour ça que j'ai les dents pourries. Ça dépend. Après, moi, je vois, Elsa, elle a des dents. Elles sont jamais de caries, rien. Jamais de tarte. Quoi. Ouais, mais ça dépend. Après, moi, je sais que c'est étonnant, mais tu sais, je fais pas beaucoup de tartes devant, c'est surtout derrière. Ton cul ? Ouais, exactement, j'ai le cul bordé de tartes. Non, mais là, de toute façon, il faudra que j'aille faire un tour chez le dentiste pour qu'il me fasse un ravalement et qu'on en parle plus. Mais bon, ça coûte tellement cher, le dentiste. La faction la plus populaire et la plus puissante et la plus crainte est la faction file d'attente. 3053 joueurs. Après, nous, on a réussi à se connecter. Ah ouais, après, on est arrivé assez tôt dans la soirée, peut-être pour ça aussi. C'est mon bivouac. Bah écoute, je suis... En fait, je suis pas un gros joueur d'MMO, donc c'est vrai que là, moi, ça me suffit, tu vois. S'il y a un côté loot, enfin, coupe des arbres et tout... Ouais. Ouais, c'est cool, parce que des fois, tu sais, tu vas juste te courir en disant, oh bah tiens, aujourd'hui, j'ai juste augmenté ce métier-là, tu vas te mettre dans un coin et toc, 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 toc. Oh, s'il y a du housing, comme tu dis, sur les maisons. Ah, j'ai eu une rapière, je vais la tester, tiens. Qu'est-ce que la rapière vaut? Et j'aime bien le principe de les sorts que t'as, c'est selon l'arme que t'as. Dans Guild Wars, j'aimais déjà bien ça, donc. Et moi, surtout, ce qui me plaît beaucoup, c'est vraiment le côté. Plus tu joues une arme, plus elle devient forte, quoi. Ouais. Ouais, Cédric, je pense qu'il jouera la rapière. C'est un truc qui tape fort et rapidement. Non, mais il jouera pas, il n'y a pas de double dague. Ouais, mais il y a un arc. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, avec Cédric, à chaque fois, on commence le jeu, il est au loin à l'arc, t'as l'impression qu'il fait rien. Je vais pas le dire, mais bon.
C'est pas une impression. C'est, il fait rien. Hé, hey, regardez, j'ai mis une flèche. J'ai mis une flèche dans le caillou. Quand je vois pas dans la forêt, je récupère les arbustes. Attends, je vais essayer de mettre un... Ah, mais on n'est pas obligé de maintenir la touche pour couper les arbres. Oh, mais c'est trop bien. Comme un con, je la maintenais. Ah, l'heure. D'accord. Ah, toi aussi, tu le faisais? Non. Ouais, bah... Il y en a un qui est moins con que l'autre, hein, c'est tout. Je pensais que je jouais avec un expert, moi. Je pensais que t'étais un streamer. Hmm, non. Ah non, mais moi, je suis un streamer juste amateur. Juste con. Que j'en ai mis un et après je suis passé à autre chose. Je vois depuis tout à l'heure Franck X 2 km. Mais Mimi, c'est ouais. Quoi cette tête? T'as faim? Je t'ai mis à manger tout à l'heure. J'arrive. Viens ma belle, je vais te mettre à manger. Elle est toute assise, toute mignonne, elle est super sage. T'as faim, mon chat? Oui, en direct, je vais mettre de la pâtée à mon chat. Stream de qualité. Notre chocolatad. Ah merde, j'ai oublié d'ouvrir la boîte en SMR. En SMR, pardon. La guilde des recruteurs recrute. Vous voulez être recruté afin de recruter en tant que recruteur de nouvelles recrutes? Bien ça, ça me donne envie d'aller dedans. Oh ben, ouais, ouais, dans mon ancienne vie, c'était les demi-croustillants. Les semi-croustillants, je sais plus. C'est par rapport à Kaamelott. Ah. Il y a une limite d'ailleurs, les guides. Je sais pas si t'as vu un peu, si tu t'es renseigné. Absolument pas. Là, par contre, le loup se déplace trop bizarrement pour continuer de jouer au flingue. Hein. T'as fait ta hache alors? Ouais, ça y est, ouais. J'ai une hache à deux mains et un mousquet. Pour l'instant, je vais jouer avec ça, on verra bien. Bon, comme tu dis, vu que bon, si t'as envie de changer d'arme, tu peux, c'est pas un problème. Manque de grottes quand même. Hein. Ah, faut explorer parce qu'il y en a quelques-unes. Bon, allez, je vais parler à Gladys et je vais me déco. Bonsoir Gladys. Hein, le lièvre, tu fais moins le malin là. Des lapins virtuels, hein, rassurez-vous. Putain, mais pourquoi à chaque fois je vais là? Elle est où Gladys? Ça quittait la partie, ça m'a mis en gros mon gars, mais genre on dirait que t'es décédé. Honte, quoi. Honteux. Bon vas-y Mister, ouais. Je vais t'abandonner, je vais aller faire mes trucs sur Genshin. Oh. Ah, tu commences quand en fait ton contrat là? Oh c'est dans un mois. Ah bon, ça va. Demain je vais voir le médecin pour me faire arrêter encore, me faire prolonger. Tu l'as senti? Ça t'a fait du bien? Les médicaments, j'ai l'impression qu'ils commencent. Tu vois, et encore, je suis non, pas mais trop sûr. Pas que ça, mais juste le côté aussi, le calme, enfin d'être chez toi, quoi, tu vois, de te reposer. Ah oui, clairement, oui, ça c'était... Recentré sur toi, quoi, tu vois. Le plus worse, ah oui, non, mais clairement, mais... Après, c'est tu vois, ça. Moi, ce qui m'a saoulé, c'est vraiment les... Tu sais, vu que j'ai des potes et tout, c'est les commentaires. C'est les commentaires qu'il y en a qui font, qui se permettent de faire, alors que... j'ai envie de te dire que t'as ton cul. En plus, j'ai toujours été le mec, et il y en a, tu sais, à mon travail, qui se mettent en arrêt, vraiment... pour un oui, pour un non. Et j'ai toujours été le mec en mode, je suis pas médecin, les gars. Tu vois? Donc, tu sais, ils sont tous là en train de dire, ouais, c'est ça se fait pas et tout, machin. J'ai toujours été le mec qui a toujours dit, ouais, moi, je suis pas médecin. Et c'est fait arrêter, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison, on n'est pas au courant, machin, ça nous regarde pas, tu vois. Ouais, et puis surtout, enfin,
fonctionne tous différemment. Même, c'est, on n'est pas tous capables. Et puis même quand tu craques, mon gars, comme on dit, quand tu craques, tu craques. Non, mais quoi, tu vois, non, mais... D'autres, Non, parce qu'il y en avait des fois, c'était vraiment abusé. Dans le sens où il y en avait une qui s'était mis un bout de carton dans l'œil. Mais quand je te dis un bout de carton, c'est vraiment, tu sais, comme quand moi je me mets le doigt, quoi. Oui. Tu vois, et elle s'est mis ça et elle s'est mis en arrêt pendant 2 semaines. Et après, j'étais en mode, ouais, j'avoue, c'est abusé, mais ça se trouve. Il y a des gens, des fois, qui essaient de s'en choper un, c'est tout. Hein, c'est... Mais bien sûr, mais de toute façon, il y en a beaucoup dans mon travail, tu vois. Mais je suis en mode, bah, ça se trouve, il y avait un truc plus grave, ça se trouve, machin, ça se trouve. Voilà, tant pis, c'est sur l'arrêt, on fait avec, tu vois, tant pis, c'est bon, on va pas dire, ouais, machin, je suis pas médecin, moi, j'ai pas fait qu'un vent d'études, tu vois, machin, et puis même si elle est en arrêt, bah, et qu'elle a rien, tu vois, et qu'elle a couché, bah, tant mieux pour elle, tu vois. Non, et puis c'est surtout, on peut pas se mettre dans la tête d'une personne aussi. Hein. Ok, il y a des gens peut-être qui doivent profiter, mais franchement, il y a plus de gens qui subissent que des gens qui profitent, hein, en général. Ouais, et tu vois, et j'ai toujours dit ça et tout machin, j'ai toujours été en mode, ouais, ben, je suis pas médecin, machin, elle a un arrêt, je dois fermer ma gueule, elle est pas là. Et puis quand moi je suis parti, tu vois, moi j'étais honnête, j'ai dit, ouais, voilà, c'est que je suis en train de faire une dépression ou un burn-out. Stop, tu vois, donc j'ai préféré pour ma santé, pour ma fille, pour moi, tu vois. Ouais, stop, on arrête, je me mets en arrêt, machin. Et il y a eu des commentaires à base de « Ouais, Franck, de toute façon, dès qu'il revient, moi, je le chope. Je vais le choper. » Oh, sérieux? Oui, non, mais ouais, moi, je vais le choper, je vais lui dire que c'est un chien. Enfin, façon de parler, toi, mais genre, ouais, que ça se fait pas, il nous a abandonnés, oui, machin. Et y en a une meuf, toi, avec qui je rigole bien, tu vois. Je ne m'entends absolument pas avec elle dans le travail, c'est une branleuse professionnelle, tu vois. Mais en termes de personne, tu sais, je m'entends bien avec, je rigole avec, tu vois. C'est, j'arrive à faire la distanciation, c'est pas parce que je rigole avec toi que je cautionne ce que tu fais, tu vois. Ouais. Et elle était en mode, ouais, Franck, ouais, ça se fait pas. Il se permet de nous laisser tomber. Il se met en arrêt parce qu'il n'est pas content, machin. Ouais, bien sûr. Et tu vois... Bah, surtout, hein, quand tu discutes un peu, quand on discutait déjà, tu me disais, même lors des confinements, tu étais fatigué, tu savais que ça allait pas. C'est juste... Ça, c'est, et aussi, les gens, ils y pensent pas. Les confinements, ils sont aussi pour quelque chose, hein, aussi. Hein. Nous, on n'a pas connu les confinements. Ça fait depuis le début du coronavirus qu'on a été non-stop en train de se faire déchirer. Ça fait depuis le coronavirus qu'on a 3 à 4 fois plus de travail. Au bout d'un moment, les gars, moi, pendant le confinement, je me suis pas mis en arrêt. Hein. Je suis pas resté chez moi. Je travaillais les samedis, je travaillais tout. Donc au bout d'un moment, les gars, et puis les clients en plus, ils deviennent de plus en plus exigeants. T'as en plus, tu vois ce que c'est le magasin Costco ou pas? Non, ça me parle pas. C'est genre un espèce de magasin américain qui va arriver en France. Il y en a que 2 qui sont ouverts. Et en fait, c'est un magasin qui fait, tu sais, de la vente vraiment en gros. Ouais. C'est comme nous, métro, on fait. Ah, sauf mais j'en ai vu. Oui, j'ai vu, je sais plus, une émission. Voilà. Il y en avait un au Japon, ils y sont allés, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est... Oh, ouais, c'est... Et en fait, le seul truc qu'il fait, c'est que tu vas là-bas et tu payes une carte d'adhésion et du coup, tu peux y aller. Sauf qu'à métro, bah, pour avoir la carte d'adhésion, il faut que tu remplisses certaines... voilà, c'est réservé aux professionnels. Sauf que bah, eux, ils sont arrivés sur le Rintet. Ils vont en ouvrir un, mais vraiment à 5 minutes de métro en voiture. Et ils vont l'ouvrir et ils ont commencé à appeler tous nos clients en leur disant « Ouais, venez chez nous et tout, machin. » Ouais, ouais. Ils arrivent en mode, écoutez les gars, métro, vous avez été tranquille pendant, je sais pas, ça fait combien de temps que métro, ils sont tranquilles en France, tu vois. Ça doit faire plus de 20 ans. Ouais, voilà, enfin les gars, c'est la concurrence, tout le monde l'a subi. Hein. Voilà, et du coup, ce qui se passe, c'est que métro, bah, ils commencent à, entre guillemets, se bouger pour leur truc, mais ils font les mauvais choix. Ça panique. Ils font... Oui, c'est ça, c'est que ça panique, et du coup, ils font des choix qui sont à la fois débiles pour leurs clients et qui sont aussi débiles pour leurs employés. Dans le sens où, par exemple, tu vois, avant, les clients, ils payent ce qu'on appelle la caisse réflexe, c'est un moyen de paiement, et du coup, tu avais une caisse qui est réservée à ce moyen de paiement, la caisse réflexe. Et en fait, ils se sont dit, depuis le début du confinement, on a fait une seule file,
C'est parce qu'avant, les clients, ils venaient à n'importe quelle caisse et ils attendaient. Et voilà. Donc là, on a fait une seule file, ils attendent à un seul endroit. Et une fois que nous, on a fini, on les appelle. Et on leur dit, ouais, venez, machin, c'est pour respecter les distanciations, les machins. Et moi, tous les clients que j'ai eu, ils m'ont dit, oh putain, c'est mieux comme ça, ça va beaucoup plus vite qu'on attende pendant 15 minutes. Là, dès qu'il y a une caisse qui est ouverte, boum, ça prend et machin. Tous les clients m'ont dit ça. Et il y a dû y avoir un ou deux clients qui étaient là en mode, ouais, c'est pas normal, la caisse réflexe. Avant, moi, j'arrivais, je passais directement à ma caisse. Maintenant, je suis obligé d'attendre avec toute la plèbe, entre guillemets, tu vois. Et vraiment, hein. Et du coup, bah, ils ont baissé leurs pantalons et au lieu de lui dire, bah, désolé, mon gars, mais c'est comme ça, machin, ou alors, je te dis une autre connerie, mais ils font une autre file unique, mais juste pour la réflexe. Et ben non, maintenant, les gars de la caisse réflexe ne sont plus atteints par les distances de sécurité parce qu'ils viennent directement en caisse réflexe, ils passent devant tout le monde, et c'est du grand n'importe quoi. Et du coup, nous, ça nous baisse sur le moral parce qu'on est en mode, bah, allez vous faire foutre. Aller vous faire cuire le cul à prendre des décisions. Mais comme ça. De toute façon, c'est... là, c'est un espèce de ras-le-bol, c'est un truc qui dure depuis longtemps. Ah un oui, moment, mais bien sûr. En train mais... De... mais tu vois, c'est ça me fait rire. C'est, ouais, ils sont tous. C'est des branleurs qui savent pas gérer leur truc, qui se permettent de faire des commentaires, tu vois. Et quand on m'a parlé de ça, bah, je suis rentré dans une colère noire d'un coup. J'étais vraiment en mode. Non, mais vraiment, on m'a parlé de ça, ça m'a remonté. J'étais en mode, non, faut. Tu vois, dans quel état le taf me met, alors qu'on m'a juste dit, ouais, l'autre, elle t'a craché dans le dos, tu vois. Alors, ça devrait même pas me surprendre. Putain. Donc voilà, non, mais franchement, c'est des boissons. De toute façon, je me casse. Là, je me mets en arrêt encore un mois, ça va les foutre dans la merde, et puis voilà. Et on va les se faire foutre. Écoute, c'est plus important, enfin, bon, j'en ai déjà parlé, c'est la santé, c'est le plus important. Quand ça ah oui, pas... non, mais clairement. Enfin, ils sont au courant aussi que t'as eu un gosse aussi entre deux. Enfin, c'est normal. Enfin, ouais, ouais, non, mais ils sont au courant, mais non, mais laisse tomber. Ils s'en foutent. Les gens sont. Ouais, mais c'est dur. Hein. Apparemment, l'esprit d'équipe, c'est quand ça arrange. Ouais, non, mais tu vois, les trucs de ouais, Franck qui nous a laissé dans la merde. Quand il y a eu le confinement et tout machin, je me suis pas arrêté une seule fois. Alors, vous avez la moitié de votre effectif qui s'est barré. On commençait pas à me casser les couilles. Hein. Ouais, Franck, il nous a abandonné. Mais toi, mais je... alors elle, non, mais de toute façon, je vais devoir repasser de toute façon à mon travail. Mais alors elle, mais oh là là. Oh là là. Pense à autre chose. Alors elle. C'est vraiment balèque. Oui, non, mais clairement, faut que je passe à autre chose. De toute façon, là, je vais aller aux toilettes. Voilà, bon, bah, moi, pense à autre chose, je vais chier. Exactement. Bon, bah, vas-y, je te souhaite une bonne soirée, Chape. Ouais, et bah, peut-être bisous, à demain, si on se refait une game. Ouais, vas-y, ouais, bah, demain soir, Elsa rentre, donc je pense que je viendrai pas tout de suite. Hein. D'accord, ok, ça marche. Profiter de ma chérie. Bon, on verra tranquille, de toute façon. Ouais, moi, je ferai autre chose, quoi. Vas-y, bonne soirée à toi. Ouais, allez, poste-toi bien, ciao. Alors, attendez, on va quitter. Ah! Quitter Discord. Voilà. Alors, je fais pas ça pour rien. Il y a une quête ici, là. Faut que je chope 550 de bois vert. Cuir. Bivouac, c'est cool, les mecs ont dû construire des bivouacs, donc j'ai juste à y aller. Je pense que je vais m'arrêter juste devant cet endroit, à mon avis. Je vais aller me coucher parce que vu l'heure.
Eh, c'est pas l'éclate là? Ce bruit de hache. Des rochers, j'en avais pas chopé ça. Je vais juste virer le chat là. Qui a plus, c'est plus drôle, il y a plus. La petite ambiance là, la petite brouillard du jour là, de l'aube. Attends, mais il n'y a pas de grotte, c'est nul. Arrêtez ici, c'est magnifique, c'est magnifique lever de soleil. Ah, j'avais pas mis le jeu. Attendez. Capture de jeu. Tac. C'est pas professionnel ça.
juste un truc. Merde, je vais attaquer. Oui, lui. C'est cool parce que les gens, quand je loot ce truc, le loot là, le mec à côté ramasse du loot aussi, je crois. C'est pas ça, c'est quoi ça? Ah, zut. Oh, c'est beau! D'accord, là je peux pas y aller, j'ai pas de niveau. Là c'est où il y a Franck, cette zone. Ça c'est... Nous on a une même zone là, d'accord. D'accord. Ouais quand même. Wow. Là-bas. La fin, on va se mettre à hauteur. Allez, je reste sur ça. Stopper là. Bon, je vais me coucher. Bonne nuit à toutes. Je file au dodo. Salut, salut. Et c'est cool. Le jeu est vraiment sympa. Donc, ça, c'est chouette. Allez, bonne nuit tout le monde.